Maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît, accordez-nous un peu de temps afin de rassembler cet argent, s'il vous plaît. Monsieur Obiozo, on a vraiment été trop large avec vous. On vous avait accordé premièrement 6 mois. Après cela, on a ajouté 4 mois. Et maintenant, un autre mois. Mais tu n'es pas toujours venu avec de l'argent. Le préavis qu'on t'avait accordé a déjà expiré il y a cela 3 mois. Maître, tu es ma partenaire, s'il te plaît. Pardon, donne à mon mari juste un peu de temps. Hein? Pardon, juste un peu de temps. Hein? Biko, hein? Monsieur Biozo, s'il vous plaît, vous avez 4 jours pour déguerpir de cette maison. Sinon, vous nous obligerez de vous mettre à la porte. 4 jours. Hein? Tu vois ce que tu nous as causé. Maître. Tu vois ce que tu nous as causé. Maître. 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 Maître, s'il vous plaît. Maître. S'il vous plaît, accordez-moi encore 1 mois. Afin de pouvoir faire quelque chose, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Biozo, je vois que vous ne comprenez pas. Oh, ok. 1 semaine. 1 semaine, s'il vous plaît. De grâce, 1 semaine. D'accord? C'est la dernière faveur. S'il vous plaît. C'est comme je l'avais dit tantôt. Vous avez 4 jours pour libérer la maison. Sinon, vous nous obligerez de vous mettre à la porte. S'il vous plaît. Je viens de me marier. Qu'est-ce qu'elle a dit? On doit déménager, je veux dire, on doit chercher un autre endroit et quitter ici. Pas d'espoir en ce moment. Tu vois maintenant ce qui nous arrive? Tu vois maintenant ce que tu nous as causé? Si moi tu m'avais écouté, Obiozo, si tu m'avais écouté, tout ceci n'allait pas nous arriver. Laisse-moi tranquille, femme, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Ne me touche plus. Où est-ce que tu vas? Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas te lâcher. Laisse-moi tranquille, 1. Laisse-moi tranquille, 2. Donne-moi de l'argent. Laisse-moi tranquille, 3. Je ne veux pas te lâcher et tu ne bougeras pas d'ici. Oh, femme, c'est ça ton plan? Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Mais je ne veux pas te lâcher. Tu n'as pas d'argent, madame. Qu'est-ce que tu fais là? On t'a invité. Ah, qu'est-ce qui se passe, non? J'ai juste entendu. Hey! Oh, Koudi, il n'est pas jusqu'à ces points. Pas jusqu'à ces niveaux. Pas. C'est ce que tu as planifié ce matin. Hein? Donc, tu es venu. Elle fait partie de ces gens. Non, donc, tu pas fais ça partie du tout. De ces gens qui bouffent la nourriture de mon mari. Non, pas du tout. Tu es l'une de ces gens qui volent non, mon mari. Non, ce n'est pas ça. Non. Aujourd'hui, n'est-ce pas qu'on t'appelle Jidé? Tu vas me donner de l'argent. Donne-moi cet argent. Obiako. Quel argent? Obiako, fais attention. Obiako, fais attention. Obiako, tu es en train de me provoquer. Je ne te parle pas. Obiako, fais attention. Madame, écoute là-haut. Hein? Laisse-le. Écoute là-haut. Juste pour cette fois, laisse-le, s'il te plaît. Tu veux de l'argent? Ok. Tu veux de l'argent? Laisse-moi aller le prendre à l'intérieur. Ok. Je t'attends. Hein? Écoute-le. Reviens. Reviens ici. Madame, pardon, laisse-le, non? Laisse-le et reviens ici. Nawao. Hey. Où est-ce que tu vas? Non, où est-ce que tu veux aller? Dis-moi. Tu voulais que je lâche mon mari? Je l'ai lâché. Maintenant qu'il est parti, c'est à toi de me donner cet argent. Pardon. Tu vas me donner cet argent à la place de mon mari. On y va. Tu vas me donner cet argent. Où est-ce que je vais avoir cet argent? On y va à la maison. Tu vas me donner cet argent. Je dois venir avec toi. Allez, c'est ça. Agenouille-toi. Hey, je dois m'agenouiller. Tu la fermes. Tais-toi, idiote. Allez, lève tes mains. Lève tes mains vite, idiote. S'il te plaît, pardon. Je dis, tais-toi. Ferme la bouche. Tais-toi. Ferme-la. Qui t'a appelé?
dis-moi, qui t'a appelé? Personne. Non, tu voulais connaître les secrets de mon mari et moi. Tu voulais connaître comment ça se passe entre nous, juste comme ça. Écervelé, idiote, curieuse. Tu vas mourir. Est-ce que je peux aller? Je peux aller. Ça va pas chez toi. Allez où? À la maison. Tu es vraiment une folle. Allez, assieds-toi. Mets-toi. D'ailleurs, lève-toi. Dégage. Dégage d'ici. Va-t'en. Va-t'en que je ne vois plus. Va-t'en. Fais-moi ton bail, idiote. Je ne veux plus te voir. Dégage. Tu as encore un autre jour de missile dans nos affaires. Lâche-le. Lâche-le. Est-ce ton mari? Une femme sans cervelle. Idiote. Au coup, dis-le. Tu peux toujours courir. Je t'aurai. Que vas-tu prendre? Canadienne. Canadienne? Vraiment? Oui. Serveur! Amène un canadienne. Dépêche-toi. Je vous salue. Oh, ça va? Oh, cool. Vas-y, cool. Je vais aller changer. Okudeli, qu'est-ce que tu fais? Zuka. Suis-moi. Zuka. Okudeli, viens. Viens. Vas-y, doucement, doucement. Tu vas le savoir. Suis-moi. Viens ici à l'intérieur. Viens ici à l'intérieur. Il est à quoi? Tu as vu de la manière dont tu l'as regardé? Hein? Tu penses que je t'avais pas vu? Regardez quelle fille. Tu m'as embarrassé en regardant cette fille. Zuka. Tu es en train de me sourire. Est-ce que je t'ai pas vu regarder ma serveuse? Qui verrait toi, Zuka, et ton derrière ici? Et regardez encore ce balai que tu as là-bas. Tu étais en train de regarder cette petite fille. Qu'est-ce que tu as trouvé là-bas? Pardon, parce que je n'aime pas qu'on m'insulte. Pardon, je t'insulte pas. Que veut dire ça? Alors, tu m'as embarrassé devant cette fille. Qui veut compétir avec toi? Regardez cette petite fille. Tu dis que je t'insulte. Ce que tu me donnes là, tu veux aussi donner ça à cette petite fille. Comme si je te donnais rien. Moi, donner de l'argent. S'il te plaît. Moi, donner de l'argent. Est-ce que. Personne ne peut me stopper de donner de l'argent. Hein? Tu veux donner ça à cette petite fille. Regarde ce qu'on va faire maintenant. Laisse-moi. Allons à l'intérieur. Tu me rends heureux. Je te rendrai heureuse aussi. Alors tu vas me donner l'argent. Non, heureuse. Je ne parle pas d'argent. Je dis rends-moi heureux. Je te rendrai heureuse aussi. Je ne parle pas d'argent. Suis-moi, viens. Tu sais que c'est toi seul que j'ai, non? C'est toi seul que j'ai dans le monde entier. Obioso. Hey, Obioso. Ma femme. C'est toi. Hey. Mon frère. Mais tu viens d'où? Tu vas où? Je viens juste de me rafraîchir un peu. Oh, tu viens de te rafraîchir. Oui. Moi, je viens d'arriver. Obioso. Oui. Où est ta voiture, non? Mon frère, c'est une longue histoire. Hein? Obioso, tu as une grosse voiture. Tu pouvais venir avec, non? Mon frère, t'inquiète pas. Voici ma femme à côté. Oh oui, je l'ai vue. Allons-y à la maison. Ok, pas de problème. Hé, moto. Attends. Laisse-moi t'aider. Chérie, fais attention là-bas. Tu vas rester devant nous. Oh, pas de problème. Je passe devant.
Obioso, mon ami. Tu veux dire que tu as perdu ta maison à cause de ça? Mon Dieu. Je n'ai pas perdu seulement ma maison. J'ai perdu tout ce que j'ai comme bien. La seule chose qui me reste en ce moment, c'est ma chère femme. Tout m'a été enlevé. Je dis tout. Essaies-tu de me dire que mes ambitions d'aller en Malaisie sont anéanties? Mon Dieu, je n'irai plus en Malaisie et faire tout ce que j'allais faire? Hey! Chukwode. Hey! Chukwode, calme-toi. Mazudema, s'il te plaît, arrête juste de me dire calme-toi ça. Calme-toi un peu. Que veux-tu dire par calme-toi un peu? Et quelles sont devenues mes ambitions d'aller en Malaisie? Hein? Je n'irai plus en Malaisie et tu me dis de me calmer. Penses-tu que c'est facile? Hey! Obioso. Obioso. Oui. Essaye d'être fort. Hein? Essaye d'être fort, mon ami. Sois un homme. S'il vous plaît, laissez-les aller à l'intérieur et prendre un bain. Hein? Calme-toi, mon frère. Calme-toi, tout ira bien. Tu ne dois pas rester ici trop longtemps. Entre et dors. Il fait tard. Comment je peux aller dormir là-bas? Comment je peux aller dormir avec toutes ces moustiques? Dans cet état. On n'a jamais manqué à manger et à boire. On donnait même à ce qui a manqué. On dormait toujours dans le confort, sur des lits appropriés. Maintenant, tu m'as amené dans ces villages. Écoute, je comprends. Mais s'il te plaît, ceci ne va pas durer longtemps. Je n'ai jamais su que cela pourrait arriver. L'affaire semble être lucrative. C'est pourquoi j'ai investi tout ce que j'ai dedans. S'il te plaît, sois indulgente avec moi. J'ai un plan. D'accord? On ne restera pas ici longtemps. Tu as compris? Si seulement tu faisais attention à ce que je te disais. Si seulement tu m'avais partagé ces problèmes. Tout ceci n'allait pas nous arriver maintenant. Je sais. Mon rayon du soleil. Akogo, accepte mes excuses. Tu es la lumière qui me donne l'espoir. S'il te plaît. Je ne te laisserai pas dans cette condition pour longtemps. Fais-moi confiance. D'accord? Ça ne va pas durer, tu as compris? Tu es mon seul espoir, s'il te plaît. Ok? Viens avec moi, j'ai un plan. D'accord? S'il te plaît. S'il te plaît. Désolée chérie, de t'avoir fait attendre. J'ai fini. Eh oh, j'ai beaucoup transpiré. Ta nourriture est là. Bon appétit.
Ouvre la nourriture. Hein? C'est quoi ce bordel? Ouvre-la. C'est ta nourriture, ouvre-les. Pourquoi tu veux que j'ouvre les assiettes à ta place? Qu'est-ce qui ne va pas? Obiako, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais mange la nourriture que je t'ai servie, qu'est-ce qui ne va c'est pas? C'est ça la nourriture? Mange! J'ai pas compris. Attention, tu vas renverser la nourriture, dépose l'assiette et mange. Lave-toi les mains, prends de l'eau. Attends. Sacramento, il n'y a pas de nourriture ici. Ah ah, est-ce que tu es malade? Ouvre grand les yeux et tu verras. Je t'ai servi de la viande fraîche et aussi de bananes pour qu'est-ce que toi tu regarde, vois? Regarde, mange. Je ne vois aucune nourriture, qu'est-ce que toi tu... Dans ce cas, va te laver. Peut-être qu'après la douche, tu verras de la nourriture. Femme, pars. J'ai lavé ma main plus de 5 fois attendant cette nourriture. Et regarde, tu es très méchante. Tu es une méchante femme. Fais rien que le début. Un homme méchant, c'est ce que tu es. Oh, le matin, tu m'avais fui, juste comme ça. Et les soirs, tu es revenu tout bonnement, tu as tout oublié. Tu veux manger. Mange, ne te retiens pas, je t'ai servi un morceau de viande. Je n'ai pas mis des morceaux parce que tu ne le mérites pas. Vas-y, mange. Mange tout, chérie. Finis tout et bois de l'eau. Obia, Dieu, tu es méchant. Un homme méchant. Obia, Dieu, tu es méchant. Tu es sans cœur, idiot. Tu es méchant. Tu n'avais rien laissé le matin et tu attends ce que ta bonne je te fasse. Tu es vraiment méchante, Obiodjo. Esservelée. Obiodjo. Espèce de fou. Obiodjo. Effrontée, un homme qui n'a pas de cervelle. Je regrette d'être mariée avec toi. Tu es un insensé. Tu ne sais absolument rien. Tu ne manges plus. Je veux au travail. Quel travail? Je veux au travail. Tu es un fou. Un esservelé. Un dégonflé. Tu n'as encore rien. Écoute-moi vu. Bien. Idiot. J'investis mon argent. Moi, au coup de lit, je fais des investissements avec mon argent. Qu'est-ce que t'as ouais. dit? Où c'est? Je ne suis pas un menteur. Dégage. Je ne suis pas un menteur. De quoi je me mêle? C'est pas mon problème. Tu es malade. Investissement, mon œil. Hé, hey, tu ne peux jamais comprendre. Regarde. J'investis l'argent dans les biens immobiliers. Tu rêves debout. Investis quoi? C'est pourquoi il n'y a pas d'argent pour le moment parce que je suis en train de l'investir d'abord. Tu es en train de rêver. Mon frère Obiozo. Mon frère. Ton histoire est très pénible. Mais comme toujours, Dieu a toujours un plan pour toutes choses dans nos vies. Bien. C'est comme son plan est pour une raison. Tu sais, de me ramener chez moi afin de voir le nouveau changement dans ma communauté. Oui. Nous remercions Dieu. Remercions Dieu. Ok. Maintenant, dis-moi, quel est ton prochain plan? Tu vois, ton plan de sortie, tu ne peux pas rester sur place. Hein? Dis-moi, quel est ton prochain plan? Bien. Idioku. Idioku. Tu sais, il y a un adage qui dit que Okana Hanu Febrgemao. Exactement. Ce qui veut dire que je dois regarder ailleurs. Donc, je pense de ça. J'y pense. Quand je vais arrêter une idée, je te ferai savoir. Merci, oh. Merci. J'apprécie vraiment ta gentillesse. Ton inquiétude, d'accord? Ouais. Je dois aller à la réunion des membres du cabinet du roi. D'accord. Dieu d'Abraham, merci. Pas de problème, je dois te laisser maintenant. Les gens m'attendent à la réunion. Tsukudi. 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 Mm-hmm. Je t'appelais et tu es ici un ignorant?
Depuis quand tu as commencé ça? Depuis que tu t'es impliqué dans ce business qui nous a plongé dans la pauvreté. Oh, c'est ma faute maintenant. Est-ce que je suis Dieu? Ah, mais tu aurais dû vérifier ce business bien avant de mettre tout ton argent dedans. Pourrais-tu fermer ta bouche? Donc l'erreur n'est pas humaine, c'est ça? Pas quand il s'agit d'argent. Mais tu la fermes. Quand tu as commencé à pousser des ailes, Tsukudi? Juste parce que je ne te donne plus l'argent de poche comme d'habitude, c'est ça ton problème? Mais tu n'as pas observé ce qui se passe? Hein? T'ai-je entendu parler d'argent de poche? T'ai-je entendu parler d'argent de poche quand mes potes sont en Malaisie en train de faire l'argent? Au moment où mes amis sont en Malaisie en train de faire l'argent, tu me parles d'argent de poche? Quand je t'avais dit de m'envoyer en Malaisie, tu m'as dit qu'après tes business, regarde maintenant, où en sommes-nous avec tes affaires? Et je pense que tu en es content. Pourrais-tu la fermer? Pourquoi cries-tu sur moi? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as perdu la tête? Mon mari. Pourquoi ferait-il une telle erreur? Hein? Regarde combien nous sommes devenus pauvres. Pourquoi? Je te comprends. Et je veux que tu aies la même compréhension que moi. C'est ton frère. Hein? N'oublie pas, oh. Hein? S'il y a quelqu'un qui peut être stressé, tel que nous sommes là, hein? C'est lui. Après tout, ce n'est pas aussi facile de perdre tout l'investissement qu'on avait fait. La maison et la voiture. C'est ce que tu dis. Pourquoi a-t-il investi dans ce business? Si c'est lui qui doit s'énerver, pourquoi a-t-il investi dans ce business? Sais-tu que notre père a vendu nos terres avant qu'il ne parte à la cité pour faire de l'argent? Hein? Le pire est déjà arrivé. Tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est que nous devons rester soudés. Arrêtons de parler de ces choses, hein? Pardon, s'il te plaît. Hein? Tu penses que c'est aussi facile pour moi de quitter la cité pour venir habiter ici? Regarde comment je suis devenue. Le mieux serait d'être mature. Ezuko, gare à toi. En tout cas, je t'ai écouté, je ferai un effort. Mais en tout cas, j'ai le droit de m'énerver. J'ai ce droit-là. Ça ne sert à rien. Ah, ah. Grand frère. Grand frère. Qu'est-ce que c'est? Es-tu venu encore pour me critiquer d'avoir commis des erreurs dans mes affaires? Non, mon frère. Par contre, je suis venu m'excuser de la manière dont je t'ai parlé. Honnêtement, j'étais désespéré. Tout s'est passé trop vite. C'est bien ce que je pensais. S'il te plaît, je suis désolé. Ça n'arrivera plus. Tsukudi. Grand frère. J'ai déjà discuté ceci avec ma femme. Je vais vendre mon terrain qui se trouve à Ogolo et me lancer dans le business du transport dans cette communauté. Grand frère, business de transport? On peut gagner de l'argent quotidiennement avec ça. Certainement, t'envoyer après en Malaisie si tu le souhaites. Oh mon frère. Hey. Mon frère, mais cela ne serait-il pas stressant? Parce que je ne veux pas que tu sois stressé. Le business du transport est un business lucratif. Je suis allé voir le véhicule. Et à partir de demain, l'acquéreur va voir le terrain et je vais commencer aussitôt que possible. Grand frère, pourquoi le business de transport et cette idée de vendre notre terre? Moi, ça m'effraie. Je te comprends. Tu as tout vu avec tes propres yeux. C'est mieux pour nous d'utiliser ce que nous avons pour avoir ce que nous cherchons, afin d'éviter d'aller mendier. D'accord? Le business du transport, peu importe comment les choses sont, tu ne devrais pas le minimiser. Ne le fais pas. Avec un esprit positif, on peut faire de ce business un empire. Tu comprends ce que je dis? Ne méprise pas les affaires.
en attendant que les choses changent, en évitant la fin, embrassons ça en attendant. Une femme ne peut pas le considérer, mais nous, en tant qu'homme, on devrait regarder son côté positif. Au moins, on va manger de ça. Mon frère, tu as raison. Je pense que ça va marcher. Ce qui est sûr, on ne mourra pas de faim. D'accord. Qui t'a dit que je ne t'aime pas, toi ma belle chérie, toi Zuka Zuka, avec tout ce potentiel? Suis-je aveugle? Allez ça. Okudri, si tu m'aimes, pourquoi tu ne viens pas m'épouser alors? Oublie le mariage pour le moment. Mais demande tout ce que tu veux, je vais le faire. Ça, je te le promets. Vas-y. Est-ce que je sais à quoi tu penses? Oh. Et à propos de l'argent que tu m'avais promis là? Ce petit argent là? Oui, donne-moi ça. Hein? Attends. Je vais te montrer que je fais ce que je dis. T'as demandé 4 000, mais voici 10 000. Hé hey, hé! Je suis plus que capable. Okudeli! Ma chérie. Hé hey, hé! Monsieur Okudeli! Hé! Tu en changes de tout mon corps. Fais ça encore. Fais ça encore. Fais ça encore. Hé! Seulement toi, pas une autre personne. Ah, oh. Mon Okudeli! Hé! Hey, mon Okudeli! Zuka Zuka! Qui peut se comparer Zuka, à Zuka. Toi? Qui peut se comparer à toi? De la viande. Bénédicte, oui. Pour des bouteilles de bière. Amène-nous des bouteilles de bière. Vite, 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 vite. Je veux de la musique. Faveur. Ma. Augmente la musique. Ok. Zuka Zuka. Mon petit cœur. Hey. Mon amour. Tu es la seule qui a le potentiel que je désire. Tu es en train de frotter. Tu es en train de le frotter. Tu as mon potentiel. Tu es en train de frotter dans toutes mon les parties. Mon potentiel. Tu es en train de frotter. Mon potentiel caché. Aïe. Oh. On dit quoi? Tu as mon potentiel caché. Zuka 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 Zuka. Aujourd'hui, Okudili, si je te trouve dans le bar d'Azou, je vais te crever le cerveau avec mes doigts. Tu verras aujourd'hui.
Seigneur, mais qui est cet homme? Il ressemble au Koudili. C'est sûrement lui, il s'est enfui. J'en suis Bénédicte sûr. Au Koudili. Ma femme. Hé, entre là-bas. Ah, mais où est-ce qu'il est passé? Mon Dieu, que j'aille d'abord vérifier là-bas. Où est mon mari? Je te demande où est mon mari? Qui est ton mari? Tu me demandes si c'est qui mon mari? Je ne sais pas qui est ton mari. Qui est ton Seigneur, mari? Seigneur, tout ça c'est ton popotin? Azuka. Donc c'est ici que mon mari gaspille tout son argent. Seigneur, que je vérifie le mien. Madame, allez-vous-en, je vous en prie. Partez. Le mien n'est pas gros. Partez d'ici. Au nom de Dieu, partez d'ici. Où est mon mari? Dis-moi où se cache-t-il. Ton mari n'est pas ici, madame. En venant, qui je l'avais mari? Aperçu. Au coup du lit. Va-t'en d'ici. Donc, mon Dieu, c'est quoi ça? Va-t'en d'ici, madame. Va-t'en d'ici. Au coup du lit. Cette tôle doit être changée. Au coup du lit, tu es malade. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qu'est-ce que je tu veux fais changer ici? La tôle. Hey! Cette tôle doit être changée. Au coup du lit, tu es vraiment hein? méchant. Tu es méchant. Au coup de lit, c'est ici que tu bouffes ton Va-t'en argent. Va-t'en d'ici, madame. Ton argent avec elle. Allez-y, finis ton argent partez. Avec elle. Au coup de lit, tu es deux. Au coup de lit, tu finis ton argent. Je la connais pas, je sais pas ce que tu racontes. C'est tout le je suis là pour travailler, je la connais pas. Dis-moi, au coup de lit, je ne veux pas te chercher. Pardon. Va-t'en d'ici. Viens ici, jeune fille. Viens ici, cette femme. Viens. Tu vois ce que tu as causé? Va-t'en d'ici. Viens. Au coup de lit, ici. Pardon, allons-y. Va-t'en d'ici. Allons-y, vite, allons-y. Suis-moi. Allez-y. Voici le terrain dont je vous parlais. Vous pouvez voir de ce bord jusqu'à ce palmier qui est de l'autre côté. C'est la superficie du terrain. Ok. Ce terrain est grand. T'es sûr que ça t'appartient? Je vous ai montré les papiers, non? Sûr? Okay. Ok. Je vais les prendre à 500 000 Naira. 500 000? Non, ajoutez quelque chose. Oui. À ce prix-là, je les s'il prends. S'il vous plaît, papa. Ajoutez quelque chose, non? Uniquement à ce prix-là. Ok. Non, je comprends. Donnez-moi l'argent. Ok, entre dans la voiture. D'accord. Ça va. Meso, ma. Meso. Oui, grand frère. Viens. C'est qui là, non? Va voir qui est au portail en train de klaxonner comme ça. Nous n'avons pas de sentinelle, oh. Attendez. Grand frère. Tantine. Quel frère? Tantine! Eh oh! Odogu oke! Hopoke laka! Hey ya 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 Odogu! Odogu, un caraca. Chérie, comment ça va? Je suis fière de toi, mon mari. Hey. Je suis fière de toi. Chai. Hey. Je suis de retour aux affaires. Ikara. Pour de vrai. Odogu, homme. Fais-moi confiance. Ikaraka. Hey. Tu peux monter. Venez entrer. Hey, pour quelle destination? C'est quoi ça? Tu deviens chauffeur? Non, je veux monter. Allez, va lire tes livres. J'essaierai ta caissière pour le premier jour. Que sais-tu? Et tu veux être mon apprenti? Je sais comment faire. Et comme ça, tu voulais salir ce bis. Allez, va-t'en. Je serai la conductrice. Mon frère, on ne connaîtra plus la pauvreté. Amen. M'allez-y dans le marché. Je remercie Dieu pour ça.
Zuka Zuka. Zuka Zuka. Zuka, souris, non, souris, non, souris. Hein, souris, non, hein, souris. Salut, monsieur. Souris pour moi. Écoute, elle est bienvenue. Souris un peu. Ça va? Ça va, d'accord? Zuka, hein? Ça va, hein? Je suis désolé pour hier. C'est comme ça que ma femme se comporte, même à la maison. Hein? Mais je m'étais occupé d'elle. Je m'étais bien occupé d'elle. Je dois la prévenir. Okudeli, je dois la prévenir. Elle n'est pas la seule pour qui l'homme vient ici pour boire. Oh, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Préviens-la. Je m'en suis déjà occupé. Ce que je lui ai fait hier. Si tu vois ce que je lui ai fait, je lui ai fait hier. Aïe! Je me suis occupé d'elle. Aïe! Oh! Tu es sérieux? Je peux faire tout pour toi. T'es mon bébé. Ça, c'est mon coup de libre. Relax. Tu es mon bébé. Sois libre. Sois contente. Hein? Je vais me rattraper. Hein? Ce que tu vas faire maintenant, va à l'intérieur et apporte deux bouteilles. Je me mettrai à l'aise. Pour Nika! Boire. T'as compris? Nika! Maman, j'arrive. Amène-moi deux bières. Ouais. Et ici, amène deux. Où? Fais vite. Fais vite. Deux comment? Deux. Un pour toi et un pour moi. Toi aussi? Regarde au coup de l'œil, je ne suis pas contente, j'essaie de me contenir pour... Tu prends aussi ici. Fais vite. Pas étonnant. Pas étonnant, ses potentiels se développent toujours. Ok. Zuka, Zuka. Laisse-moi manger ton Zuka, mon amour. J'ai entendu ton frère dire que tu devais aller avec lui au parking, non? Oh, tu aurais dû me laisser me reposer, non? Laisse-moi me reposer. Mais tu dois aller avec lui, non? Hein? Ok, j'y vais. La nourriture est prête? Ah oui, c'est déjà prête. Mais tu vas manger à ton retour. Ah, comment ça? La nourriture est prête et je dois aller pour revenir. Non, non, non. Je dois manger. Pardon. Non, si quelque chose se casse là, tu vas mon ami, payer faut ça. Oh. Parler. J'ai une femme comme toi chez moi. Es-tu normal? Et si c'est le contraire, vas-tu me battre? Vas-tu me battre? Grand frère, qu'est-ce qui ne va pas ici? Je ne comprends pas cette fille. Hein.
N'est-ce pas que c'est bon à rien qui est en train de jeter mon sac n'importe comment, juste parce que je veux entrer dans ce véhicule? Hein? T'es-ce bien entendu? Qui est-ce que tu appelles bon à rien? Qui es-tu pour me poser cette question? Es-tu folle? Comment oses-tu le traiter de la sorte? Juste parce qu'il a transporté tes bagages, hein? Où est son sac? Où sont ses bagages? Allez, quitte là! Dégage d'ici! Mon frère, elle ne va plus entrer dans ce bus. Elle ne va plus entrer. Allez, disparaît d'ici, imbécile! Une femme idiote, insensée, sans manière. Regarde comment elle marche. Agoulou, dernière chance! Viens encore ici. Dernière chance! Regarde, ton père, le voilà. Du pain? Non, ça c'est pour moi. Agoulou, dernière chance! Agoulou Naka! Agoulou Naka! Agoulou Naka! Agoulou Kourou Kourou Kourou! Agoulou Naka! Aboum! Agoulou Naka! Agoulou Naka! Dernière chance! Tu n'es pas sérieux! Dernière chance! Dernière chance! Agoulou Naka! Agoulou Naka! Agoulou Naka! Mon frère, il faut appeler les passagers et puis on quitte ici! Agoulou Naka! Agoulou Naka! Hey, Timo. Ha! Grand frère. Ouais? Pendant tout ce temps, je ne savais pas que le business de bus était aussi marrant. Je le jure. Te rappelles-tu de cette femme qu'on a déposée à Obolo? Hein? Celle-là qu'on a déposée à Obolo qui parle beaucoup là. Celle qui voulait discuter avec tous les passagers. Mon frère, il fallait voir comment cette femme sent. Le jeu d'odeur qui sort de ses aisselles et de sa bouche. Hey! J'ai pas pu tenir. Je comprends maintenant pourquoi tu tournais ta face d'un côté à l'autre. Je te dis, j'ai failli perdre contrôle. Parce que, écoute, le fait est qu'en ce moment même où je te parle, l'odeur est toujours calée dans mes narines, mon frère. Hé, reste là-bas, distanciation sociale, s'il te plaît. Tu es vraiment stupide. S'il te plaît, fais-moi le compte, je veux voir combien on travaille. Ok. Quoi? Ça donne 5 000. 5 000? Oui, oh. Hein? C'est bien pour le début, non? Écoute, je suis fatigué. Rentrons à la maison. Hein? Tu dis quoi? Tu es fatigué. Je sais que tu veux manger. Hein? Mon frère, tu me connais, calme-toi. T'inquiète pas, on ira. Hein? Demain serait mieux, j'irai en ceci. Mais laisse-moi d'abord avoir l'argent. Mon frère, c'est moi qui garde l'argent. Laisse-moi avoir l'argent, non? Ou bien ce n'est pas mon argent? Mais laisse-moi le garder. Est-ce que tu es celui qui a vendu son terrain? C'est notre terre, non? Notre terre. Donne-moi l'argent. Donne-moi ça. Grand frère, je te donne cet argent. Parce que j'irai en Malaisie d'ici là-haut. Regarde-moi ça. Je commence par te soupçonner. Comment ça? Grand frère. Ça va. Allez faire un autre tour. Grand frère, allons-y, non? Hein? On va aller là-bas après. Oh. Est-ce que tu as vérifié le carburant? Oui. Oh, déjà fait? Oui, c'est ça. Venez, on va aller travailler. Venez. Hein? Ouais, alors, qu'est-ce que je pourrais acheter pour toi? Beignet, juste beignet. Que Dieu bénisse ta journée, hein? Grand frère Obioso. Allons-y, pas de problème, non? Ok. Mon frère, laisse-moi échanger un peu avec moi. Laisse-moi. Que oui, s'est-il passé? On m'a mise dehors à cause du frais de l'école. Mon Dieu, ce n'est pas vrai. Tu vois, grand frère, c'est à cause de ça que je voulais intégrer cette affaire. Non, pas question. Mais ça, t'inquiète pas, ok? Tu ne peux pas nous rejoindre dans un tel business. Tu es trop petite pour ça. Va lire tes leçons. Ne te gêne pas. Quand on sera de retour aujourd'hui, on verra, même si c'est la moitié, on va payer ça. D'accord? On va commencer par là. Tu as compris? S'il te plaît, t'inquiète pas. Faut pas te désespérer, ok? D'accord. Mais, entre avec elle. S'il te plaît, prends soin d'elle. Bonne journée, hein? Merci, Né. Tu vois ça?
Hey. Mon frère, mais va ouvrir le portail. Hey, j'ai même oublié. Va ouvrir ça pour moi. Soma, viens verrouiller le portail. Oui, elle arrive avec ça. Passe encore. Ma femme. N'est-ce pas ma femme? Ok, l'argent que je t'ai promis. Le voici. Merci. Tu sais que tu dois venir à notre nouvel endroit. Je sais. Parce qu'ici n'est plus convenant pour moi. Oui. Hein? Va, je te suis. Allez où? Ah, donne-le-moi. Les gens vont te voir. Ah, donne-moi. Attendez. Où est Messoma? 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 Oui, grand frère. Je suis là. Grand frère. Messoma? Oui, grand frère. Nous avons décidé de chercher une aide. La bonne nouvelle est qu'on a trouvé une. Un très cher ami qui a pris la décision de t'assister durant ton parcours universitaire. Il s'appelle Chief Chikoma. Parce que je ne vais pas rester ici, devoir gaspiller ta destinée parce que nous n'avons pas d'argent ou à cause de notre situation. C'est impossible. Nous savons tous ce qui se passe, mais nous avons fait du mieux que nous pouvions. Dieu merci que mon cher ami a pu accepter de prendre en charge tes études jusqu'à ce que tu les termines. Alors, à partir de demain, Tchoukoudi va t'amener à la gare et vous irez à Lagos, afin qu'il t'amène chez lui. Tu m'as entendu? Oui, grand frère. Mais une chose que je veux que tu comprennes est que, pardon, écoute-moi très bien. Ne me fais pas honte. Comporte-toi très bien. Il est juste un cher ami et non un membre de famille. Et il a décidé de t'aider. Je suis sûr qu'en tant qu'une fille intelligente, tu vas y arriver. Avec tes études. Mais s'il te plaît, comporte-toi bien. Ne me fais pas honte. Oui, grand frère. Tu m'as entendu? Bien. Alors,
Tu peux partir. Ok. D'accord. Ma sœur arrive maintenant. Ouais, elle va quitter la maison bientôt. Oui, s'il te plaît, je vais profiter de cette occasion pour te remercier d'avoir m'aidé en cette période très critique de ma vie. Ouais. Non. Elle doit écrire son examen de fin d'année avant que tout a basculé de gauche à droite. J'apprécie vraiment ton geste à mon égard. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Ouais, Tukudi vient avec elle. Donc je resterai en contact avec eux pour savoir où est-ce qu'ils sont à tout moment. Ouais, tu peux aussi appeler. Appelle Tukudi. Tu as son numéro. Ouais, merci beaucoup. Ils vont quitter maintenant pour la gare. Je suis reconnaissant. Merci. Merci beaucoup. Mesoma. Oui, grand frère. Je sais que tu nous rendras heureux. Je te fais confiance. Hein? Ce n'est pas mon souhait. Mais nous remercions Dieu de t'avoir apporté une main d'aide qui va t'assister durant cet examen de fin d'année. Tu es une fille intelligente et nous savons que tu nous rendras heureux. Apprends tes cours et comporte-toi très bien. Hein? Oui, grand frère. Que Dieu te bénisse. Je crois que tu as compris. Toi. Reste une enfant sage que tu as toujours été. Hein? N'oublie pas la prière. Je vais le faire. D'accord? Prends soin de toi, ok? Ah, allons-y, tu seras en retard. Allez, viens, au revoir. Bonne route, hein? Prends soin de toi, ok? Tu vas nous manquer aussi. Ah, vraiment, elle va beaucoup me manquer, cette vie. Hein? Maintenant, je reste seule. Il n'y a plus personne qui pourra m'aider dans des tâches ménagères maintenant. Que Dieu l'accompagne. Agulumaka, Agulumaka. Agulumaka, Agulumaka, Agulumaka. Agulu. Agulu Maka. Agulu par ici. Es-tu venu nous insulter? Es-tu venu nous insulter encore? Qu'est-ce qu'il y a? Non, monsieur. Je suis vraiment désolée pour vous avoir insulté l'autre fois. S'il te plaît, notre boss ne transporte pas des arrogantes comme toi. S'il te plaît. Bon après-midi, monsieur. Mm-hmm. Après ce jour-là, j'ai réalisé que je vous avais parlé d'une façon irrespectueuse. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Merci. Alors, au revoir. Bye-bye. Bye-bye, s'il te plaît. Ah, mais c'est quoi ça? Je n'ai jamais été avant recadrée de cette façon. Tu m'avais vraiment aidé à réaliser mes erreurs. Je suis vraiment désolée. Agolo! Je t'ai entendu, c'est fini. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Mon numéro? Non, laisse-moi voir le tien. Ok, donne-moi ton téléphone. Non, ne touche pas à mon téléphone, ok? Juste, appelle ça. Agolo! 68, 68. Agolo, par ici! 080. Appelle-moi. Hein? Ok, au revoir. Grand frère, je ne vais pas l'appeler. Non. Regarde-moi ça. Je t'ai demandé quelque chose. Mon frère, appelle les passagers pour moi. Mais j'ai juré que je ne vais pas l'appeler. Appelle-moi les passagers, au ton dos. Agolo, Maka! Agolo, Maka! Agulumaka, départ pour bientôt. Agulumaka, départ pour bientôt. Thank you.
Ah, je ne sais pas si j'ai souri faire ça. Non, vas-y vite. Allez, je n'arrive pas à le faire. Dans ce cas, regarde comment je fais. Ah. Ok, lève-toi et fais-le. Je n'en peux pas. Ah, c'est tombé. Ah. Regarde là-bas. Ah. Tchoukou, reviens ici. Tchoukoui. 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 Allez, sors de ta cachette, non? Ah! 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 Tu m'as fait peur. Es-tu sérieuse? Oui. Notre coin préféré. Oui, oui, oui. Mais les gens vont nous voir, non? Les gens vont nous voir. Allons-y, trop vite. Allez, allez, viens vite. Allez, allez, allez. Ce moment, hein? Et je dois conduire certaines personnes au marché des quais aujourd'hui. Hey! Quelle est cette pierre qui a brisé mon amortisseur? Quelle est cette malchance? Mais où est ce gars que j'ai envoyé me faire une course? Où est-ce qu'il est allé depuis là? Il pourrait prendre ses marchandises, aller les livrer sans que je prenne ce bus. Quelle est cette journée même? Hein? Oh. Comment je vais faire ça maintenant? Hein? Il doit y avoir un soudeur par ici. Apporte-moi la boîte là. Où est la clé 3320? Apporte l'autre, non? Lequel? Ouais. Celui-ci? Non, l'autre clé. Apporte-la ici. Maintenant, j'ai faim. Fais vite pour aller m'acheter de la nourriture. Bonsoir. Ouais, salut. S'il vous plaît, vous êtes au coup d'élé? Le soudeur professionnel? Ouais. En okay. Quoi puis-je vous aider? S'il vous plaît, quelque chose du genre un bar de fer a détruit ce qui soutient l'amortisseur de mon véhicule. Donc, c'est un peu bizarre en ce moment et ça touche le sol. C'est vraiment que tout cet endroit touche le sol. Est-ce que vous pouvez aller vérifier ça? Je ne sais pas, mais... D'accord, je vais aller vérifier ça.
C'est un grand travail, oh. C'est un grand travail. Oh. Ça va vous coûter beaucoup d'argent. Ah. Hein? Donc vous pouvez réparer ça? Moi? Au cours du lit. Je peux réparer tout ce qui est réparable. Je peux tout réparer, que ce soit voiture, vélo, motocyclette, tout, tout, tout. Ok, ok, ça c'est bien. Alors, combien ça va me coûter? Tchaï, 10 000. Seigneur, hey, mon frère, ces trous, vous savez, le marché n'est pas vraiment prometteur, ça ne donne pas. Hein? Pouvez-vous prendre quelque chose qui est convenable? Combien? Comme 3 000, non? Ou 2 000? Ok. À cause de ce que vous avez dit, je peux prendre 5 000 naira. Mon frère, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, ok. Je vais ajouter 500 à c'est un marché ici. C'est le travail que je vais faire, non. Hein? Ce n'est pas le marché ici, non. Je sais le travail que je vais faire sur le véhicule là. Quand vous voyez votre véhicule demain, vous ne le reconnaîtrez plus. Hein? C'est à cause du marché, non. C'est que ça ne donne pas. Ça ne donne mon pas ami. Vraiment. Le moindre que je peux prendre, c'est 5 000 naira. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez partir. J'ai d'autres travaux à faire. Ok, laissez-moi. Apporte-moi la clé, là. Croyez-moi, le travail est vraiment dur. Sinon, il n'y a pas de souci. Allez, revenez demain. Ok, je pense que vous avez besoin de la clé. Ok, ok. Prends. Merci beaucoup. D'accord, d'accord. Demain, à quelle heure? Venez le matin. D'accord. Emeka, oui, suis-moi là-bas. Ça va? Oui, ça va. Mais je n'ai pas entendu quand tu as klaxonné. Qui a ouvert le portail pour toi? Le véhicule est au garage. Il est en panne. C'est quoi le problème? Je ne veux pas en parler. Où est Tukudi? Mais vous étiez ensemble, non? Tukudi que j'ai envoyé il y a 3 heures de cela. Il n'est pas encore revenu. En tout cas, qu'est-ce que tu as préparé ou bien qu'est-ce que tu veux préparer? Un instant, s'il te plaît. J'ai vraiment faim. Le voilà. Grand frère. Viens, viens par ici, Tukudi. Je t'ai envoyé me faire une course il y a 3 heures. Que s'est-il passé? Ah, grand frère, tu ne vas pas comprendre. Désolé d'avoir pris le temps, mais dans cet atelier, il n'y en avait pas. Il m'a envoyé dans un autre atelier. Et il m'a envoyé dans un shop. Et dans ce shop. Tukudi, est-ce que tu l'as trouvé? Oui, grand frère, après que j'ai presque abandonné. Mais. Ah, ah. Grand frère, je n'ai pas vu notre bus au parking ni ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème avec ça. Le soudeur travaille là-dessus. Né, va dans la cuisine. Ah, ah. Tu prends tout l'argent et tu mets dans l'atelier comme ça. C'est comme ça que j'irai en Malaisie. Est-ce que la nourriture est prête? Non. J'ai faim. Serre-moi à manger. Emeka. Oui, monsieur. Thank you.
J'arrive, oh. Hein? Pardon? J'arrive. Ok, pas de problème. Pas de problème. Non, mec, ça fait combien de temps depuis qu'on a commandé? Mais c'est quoi ça, hein? Ha! Ouvre ça, non? Et malgré tout ce qu'on est en train de leur dire... Regarde là. Hein? Tu ne sais pas servir les gens. Avec une courte culotte comme ça. Allez, oublie ça, mon gars. Bivant, mon cher. Je te le dis franchement, mon frère, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Je te dis vrai, mon vieux. Je vais partir d'ici, oh. Calme-toi, mon vieux, calme-toi. Non mais sérieusement, tu ne vois pas l'heure? Devant toi. Tout ce potentiel. Aïe, 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 aïe. C'est ton argent. Aïe. C'est lourd, hein? Aïe. Te dévorer. Qui pourrait être ici en ce moment? Dis-moi, est-ce que tu les connais? Non. Dis-moi, est-ce que tu en es sûr? J'ai pas compris ce cri. Quelqu'un est en train de me suivre? Attends, attends. Tu vois, j'ai une confidence à te faire. Ah, non, non, hey! Non, 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 non. Angèle. Angèle. Angèle, que fais-tu ici? Que fais-tu ici avec ce garçon? Que fais-tu ici avec ce garçon? Bonjour, monsieur. Je vais te frapper ta bouche là. Regarde ses cheveux. Regarde. Ah, oncle, et toi-même, qu'est-ce que tu fais dans la brousse ici avec une femme? En tout cas, qu'est-ce que tu viens faire dans la brousse? Allez, ferme-la. Ferme ta bouche là. En quoi cela te concerne? En quoi ça te concerne? Ok, je suis là pour essayer de boire des chauves. T'as entendu? Oncle, s'il te plaît, arrête avec tes grosso modo. Oncle, je vais le dire à ma soeur. Tu sais ce qu'elle peut faire. Faut essayer. Tu vas voir. Tu verras ce que je vais te faire.
Tes parents vont la prendre. Oncle, tu ne peux rien faire. Oncle, tu ne feras rien du tout. Tu ne feras rien, rien du tout. Arrête avec tes grimaces de singe. Regarde-toi, M. Pauline. Va-t'en d'ici. Quitte ici. Oncle. Quoi? Tchoukoué. Tchoukoué. Bébé. Bébé, où es-tu? Regarde-moi ce sorcier d'oncle qui vient gâcher mon humeur. Bébé, où es-tu? Attends-moi. Au coup de lait. Au coup de lait. Il a quoi? Il a quoi? Donc tu es là. Mon nom comme ça, quel est le problème? Je suis en train de suivre les dernières des femmes. Qu'est-ce que tu as? Quel est ton problème au juste? Au coup de lait. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ton shop est en train de brûler. C'est ton atelier qui brûle. C'est ton atelier. Montre-moi d'abord, c'est derrière qui te rend malade. Quitte là, je vais voir. Ton shop est en train de brûler. La voiture qui était là-bas a pris feu, je te dis. Le bus brûle. Viens. Va à la maison. Hmm? Viens, non, laisse-la go. Laisse-moi l'accompagner. Viens. Monsieur Koudilé, hein? Ton shop est en feu. Fais vite. Donc c'est vrai. Hein? Qu'est-ce que je vais faire moi, hein? Je suis foutu maintenant, je ne sais même pas ce que je vais faire, mon Dieu. Hé, hey, aide-moi, mon Dieu, Seigneur. Hé, hey, aide-moi, mon Dieu. Hé, hé, hé. Hé, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire moi? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Hé, hey, hé, hey, hey. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Hé. Hey. Emeka. Monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Emeka, qu'est-ce qui s'est passé? Calmez-vous, monsieur. Je ne sais pas, mais vous m'avez demandé de connecter les deux fils. Et bien, ouais. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé à voir du feu sortir de nulle part. Tu es entré sous le véhicule et sur le véhicule. Pardon, monsieur, ce n'était pas ça du tout. C'était rien monsieur de monsieur. Ça. Emeka, désolé. C'est ça la solution. Pardon, monsieur. Pardon. Monsieur, tu as payé pour le véhicule. S'il te plaît. Je n'ai même pas assez d'argent pour nourrir moi-même. Tu veux mettre un problème? Tu ne crées pas de problème, monsieur. S'il vous plaît, excusez-moi. Je vais revenir immédiatement. Qu'est-ce qui est drôle maintenant? Dis-moi, qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui est amusant maintenant? Et qu'est-ce qui n'est pas marrant? Tout est amusant. Hein? Pourquoi je ne vais pas rigoler? Suis-je en prison? Pourquoi je ne vais pas me marrer? J'ai été toujours dit au Koudilé que des mauvaises choses que tu fais tout le jour là-bas dehors, un jour il y aura des retombées sur toi. Hein? Aujourd'hui c'est à attraper. Ah, va-t'en d'ici. Va t'asseoir quelque part. Hey! Tout ce qu'un homme peut s'aimer, il les moissonnera un jour. Aujourd'hui, ta méchanceté t'a attrapé en plein dans le mille. Tu crois que je ne le sais pas? Tu crois que je ne sais pas que c'est tout le jour que tu te rends chez cette fille qui détient un bar le long de la route? Pour coucher avec elle et gaspiller facilement ton argent dans la boisson et son ange. Oh oui, et après avoir gaspillé tout ton argent chez elle, tu viens chez moi pour me raconter des balivernes. Du genre, comment tu investis dans les affaires? Tu crois que je ne le sais pas, monsieur l'investisseur? Obiako, fais beaucoup attention. Écoute, respecte-toi. Je vais te gifler, oh. Qu'est-ce que je vais te gifler, oh. Mais qu'est-ce que je dis de respecte-toi, mal? Respecte-toi, oh. Est-ce parce que je dis la vérité? Respecte-toi. Écoute, mon ami, laisse-moi te dire une chose. Tes grimaces ne vont pas marcher, des grâces. Concentre-toi plutôt sur le problème que tu as. Cherche à savoir comment tu vas faire pour rassembler de l'argent pour acheter notre bus à ces gens. D'ailleurs, j'ai une idée. Une bonne idée. Va voir ta copine. Dis-lui de te remettre une partie de l'argent que tu avais dépensé pour son popotin. Et si elle te donne de l'argent, tu vas à l'envie acheter notre bus à la place de celle que tu avais brûlée. Mon ami, quand tu couchais avec elle, tu te réjouissais. Quand tu t'envoyais en l'air, tu te réjouissais.
Où est-ce que tu vas? Reviens. Pourquoi tu me suis comme ça? On n'a pas fini. Pourquoi? En amour, 1 plus 1 égale à 1. Ce qui se semble se ressemble. 1 plus 1 égale à 1. 1 plus 1 égale à 1. Répète avec moi. 1, 1, 1, 1, 1. Écoute-les, où est-ce que tu vas? On y va, ouvre-moi cette porte. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu crois? T'enfermer ne va rien résoudre, sors. Attends, grand frère. Je pensais que tu aurais déjà dû prendre ton bain, non? Ah, ah. Je croyais que tu avais dit qu'on répare les bus. Non, non. L'Osudera a dit de venir ce matin prendre le bus. Ce matin? Ouais. Et de là, on ira à la gare pour travailler comme d'habitude. C'est sérieux? Mon frère, s'il te plaît, va prendre immédiatement. Fais vite, non? Frère Obioso. Qu'est-ce que c'est? Né, comment vas-tu? Ton bus avait pris du feu depuis hier. Mon bus? Oui. Et tu suis? D'ailleurs, au cours de l'échec, il veut s'enfuir. Oui, il veut s'enfuir. Grand frère. Et tu suis? Oui, grand frère. Tukudi. Grand frère, qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est chez lui. Oui. Oh, laisse-moi. Je ne veux pas, laisse-moi. Reviens ici. Ne va pas là-bas. Laisse le portail là. N'ouvre pas le portail. Okudi, Okudile, que s'est-il arrivé à mon bus? Pourquoi tu cries comme ça? Je te pose une question, que s'est-il arrivé? Tais-toi là-bas, pourquoi tu cries comme ça? Que s'est-il arrivé à mon bus? Okudile, ce genre de question, hein? Je ne comprends pas. Je m'appelle Okudile, l'international soudeur dans ce village. Et mon métier est de brûler les choses. Seigneur! Tout ce qu'on m'apporte, c'est à brûler. Et je brûle tout ce qu'on m'apporte. Attends, tu as brûlé mon bus? Est-ce que je t'ai demandé de mettre le feu à mon bus? Attends, écoutez-le. Venez voir ce Tomsky en train de me causer, oh. Écoutez-le. Est-ce que je t'ai demandé de mettre le feu à mon bus? Écoutez-le. Exactement. Est-ce que c'est ce que je suis venu te dire? C'est ce que tu m'as dit. Écoutez-le. Regarde. Écoute. Écoute ce qui s'est passé. Il a porté son bus dans mon atelier. Il était fatigué, son bus. Que je l'aide à le disposer. Que je l'aide à le brûler. Et moi, je l'ai brûlé. Grand frère. Seigneur Jésus. Tu es un idiot. Tu as brûlé mon bus. Est-ce que je t'ai demandé de mettre le feu? Est-ce pas ce que tu m'as dit de faire? Écoute-le. Hey. Oh. Je sais ce que je vais te faire. Je vois que tu es fou. Arrête de me perturber. C'est quoi? Grand frère. Non, laisse-le. Laisse-moi le tuer. Je vais te tuer au coup de lit. Allons-y. Hein? Je sais ce que je vais te faire. On verra. On verra. Laisse-le. On verra. Allons-y. Tu as vu ce que tu as fait? Allons-y. Laisse-le. Je sais ce que je vais lui faire. Je sais ce que je vais faire. Tu ne vas pas t'en sortir. Allons-y. Est-ce que c'est de ma faute? Je sais ce que je vais te faire. Non. Viens, ce que tu m'as dit que j'ai fait. Dieu va vous punir. Dieu va vous punir, toi et ton frère là. Quitte ma maison. Qu'est-ce que tu veux faire? Il a quoi? Je sais ce que je vais te faire. Revenez ici. Il voulait dormir et les problèmes l'ont réveillé. Hey! Zombie. Il commence à se cacher. Ajara, jara, joro. Sans technique et sans membre. Ajara, jara, joro. Zombie.
zombie, au zombie. Franchement, tu es terrible. Regarde-toi. Goudilé, tu voulais dormir, les problèmes t'ont réveillé. Mon Dieu, ma soeur. Mon mari voulait dormir et les problèmes l'ont réveillé. Oh, Goudilé. Le monsieur en question. Arrêtez-le. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez avec nos postes maintenant. Tout de suite. Ok, oui, allons-y. Maintenant. Oh, t'as appelé la police pour moi. Surveille-le, faut pas le laisser fuir. Allez appeler la police pour avancez. Moi. Je sais ce que je vais avancez. Te faire. Allez. Avancez vite. Arrêtez-le. Allons-y. Tchoukoudé, ah, laisse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que le mari de ma sœur a des problèmes avec ton frère, mais ce n'est pas une raison pour toi de commencer à m'inviter. Angela, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur à causer. Je suis désolée pour ce que le mari de ma sœur a fait. Je suis vraiment désolée. Waouh! Très bien! Est-ce que ton beau-frère est désolé? Non! Même au commissariat de la police, il continue à dire que ce qu'il a fait est bon. Que mon frère lui a payé pour brûler son véhicule. Et comment ton frère peut faire telle chose? C'est exactement ma question. Mon frère a vendu une portion de terre pour acheter ce véhicule. Ce véhicule reste la seule source de revenus pour notre vie. Quel homme avec tous ses sens ferait une telle chose? Tchoukoui, le mari de ma sœur est détenu à la station de police depuis hier. S'il te plaît, dis à ton frère de les libérer, pardon. Je ne ferai rien de tel. Il restera dans ce commissariat jusqu'à ce qu'il admette sa faute et qu'il achète un nouveau véhicule. Ah, excuse-moi. Plus nous restons dans de différents, ça sera difficile pour nous de vivre en harmonie. Tchoukoui. Tu m'abandonnes ici seule vraiment comme ça, hein, Tchoukoui? S'il te plaît, reviens. Frérot, je suis très désolé. Je suis désolé de la façon dont je t'ai parlé le jour-là. Hein? Je ne savais pas que tu me disais la vérité jusqu'à ce que je sois allé là-bas. C'est un problème sérieux maintenant. Où est-ce que je vais trouver de l'argent pour acheter un nouveau véhicule à cet homme? Il me cherchait un peu partout. Hein? Regarde Okudele. Okudele, ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. Kanye. Oui, je vais t'aider. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de trouver un avocat compétent. Un avocat compétent? Avocat, c'est avocat. C'est quoi compétent encore? Un bon avocat. Un très bon avocat? Oui. Attends. Un avocat compétent. Compétent. Compétent avocat. Où est-ce que je vais trouver de l'argent pour payer ce compétent avocat? Trouve un avocat compétent, toi aussi. Un avocat ordinaire pour moi. Laisse ce... Comment tu l'appelles? Trouve-moi, je suis un avocat ordinaire, ça me va. Laisse question de compétent. Annie, c'est un problème sérieux. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Crois-moi. Oui. Comment il s'appelle encore? Maître Willy. Maître Willy? Willy. Bien, comprends. Avocat compétent. Okay. C'est un très bon avocat. Il va plaider ta cause. Qu'est-ce que je vais lui dire quand je le vois? Juste dis-lui tout ce qui s'est passé. Écoute. Que tu lui dises tout ce qui s'est passé. Oui, ne lui cache rien. Fagne. Oui. Juste dis-lui tout. Il saura quoi quand faire. Quand je le vois, je vais lui dire que c'est mon garçon qui a brûlé. Oui, dis-lui ça. Dis-lui tout.
il saura quoi faire. Ah, ça va. Ok. Compétent avocat, ok. Toi aussi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui est difficile là? Comme avocat. Un avocat compétent. Comme. Non, 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 ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Ah, mon chéri. Quelles sont toutes ces bêtises? Calme-toi, non. Écoute, je n'ai jamais vu un avocat aussi méchant. Ne te laisse pas. Je n'ai jamais vu un avocat aussi méchant de toute ma vie. Apaise-toi un peu. Et tu ne veux pas accepter la vérité. Calme-toi, non, chérie. Tu me demandes de me calmer. Oui, calme-toi. Hein? Ma seule source de revenus, que je me calme. Ce que j'ai acheté avec l'argent de la sueur de mon front. Tu me demandes de me calmer. Qui a la solution, s'il te plaît? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais que non. Ce qui m'a énervé de plus est qu'il est allé prendre un avocat. Hein? Il veut en fait porter l'affaire devant le tribunal. Maintenant, je vois d'où est-ce qu'il tire sa confiance. Comment vais-je me calmer? Hein? T'es-ce bien entendu que ce fou veut emmener ce cas à la cour? Ce n'est pas qu'il veut. Il l'a déjà fait. Hey! Il est allé prendre un avocat. Tu sais que quand j'ai retourné, sa belle-sœur était en train de me supplier pour sa cause. Mais je pense qu'il va perdre. Il perdra. Il va perdre. Pour le cas de mon mari, le Dieu ici que je sers nous fera justice, il perdra. Hey. Je suis sûr qu'il perdra. Le Dieu juste ne nous laissera pas. Le pire est que où est-ce que je vais trouver de l'argent? Hein? Où est-ce que je vais trouver de l'argent pour aller chercher un avocat pour cette affaire? Tu vois, hein? Mon frère, apaise-toi. Hein? Tout ira bien. Hein? Tout ira bien encore. Relax. Dieu le fera à notre place. Amen. Nous n'avons peut-être pas d'argent maintenant, mais Dieu va certainement pouvoir. Calme-toi, hein? Ofo, banam. Ozigogo. Hein? Calme-toi, mon frère. C'est juste que cet homme a ruiné mes chances d'aller en Malaisie. Hey, Ngumbote. Allons à l'intérieur, s'il te plaît. Chérie, ayons juste nos apaisements. Mais aller en Malaisie est toujours important pour moi. Obioso. Quand j'ai appris ce que cet homme a fait, j'étais choqué. Hein? Tu l'as vu, mon frère. Hein? Il a même eu le courage d'apporter cette affaire devant le tribunal. Au lieu de me supplier, il a porté cette affaire devant le tribunal. Un homme sans cœur. Cet homme est un semeur de troubles. Il est vraiment un semeur de troubles. Hein? C'est grave, oh? Il amène ses dossiers trop loin. T'es-tu déjà trouvé un avocat? Comment je vais faire? Où est l'argent? Donc, tu n'as même pas d'avocat? Dis-moi pourquoi tu parles comme ça. Tout ce qui se passe et tout ce que je t'explique, maintenant, tu veux te moquer de moi. Obioso. Je t'ai déjà dit que je pleure à cause de l'argent. Parce que trouver de l'avocat, c'est très difficile. Et ça coûte très cher dans cette communauté. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je cherche de l'argent. Obioso, je m'en vais. Obioso, je m'en vais. Trouve un avocat. Obioso, trouve un avocat. Hein? Comment comptes-tu te défendre sans avocat? Ça ne sera pas possible, là je te dis. Tu ferais mieux de trouver un avocat. Hey. Regardez-moi. Va trouver un avocat, va chercher un avocat. Est-ce que c'est avec de la parole que je vais payer l'avocat en question? Ne tiens pas derrière moi en me regardant. Angèle, il y a quoi? Es-tu maintenant mon nouveau garde-corps? Oncle, je suis pas contente de toi. T'es pas contente de toi. T'es pas contente avec moi? Qui t'en soucie? Écoute, laisse-moi te dire. Ta sœur est déjà un grand problème pour moi. N'y ajoute pas, s'il te plaît. N'y ajoute pas. Oncle, tu as fait une erreur de brûler le véhicule de cet homme.
tu ferais mieux de lui présenter tes excuses. Hein? Hein? Ce n'est pas pour autre chose que je suis là. Ma conseillère. Tu es ma conseillère, n'est-ce pas? Écoute ce que tu es en train de dire. Tu ne penses même pas avant de parler. Quel âge as-tu? Hein? Quand tu te vois comme ça, tu penses que tu es déjà mature. Regarde-toi. Tu vois encore ce garçon. Et c'est lui qui te trompe. N'est-ce pas? Madame, s'il te plaît. Hein? Un instant, pardon. J'étais en train de venir chez toi. Hein? Je voulais venir discuter avec toi. Et qui êtes-vous, si je peux le savoir? Mon nom, c'est Akune. La femme du propriétaire du véhicule brûlé par ton mari. Hein? Hey! C'est à coup quoi? Donc, tu es venu te battre avec moi, hein? Seigneur! Écoute, laisse-moi te dire. Si tu es venu te battre avec moi, je suis prête, je n'attends que toi. Parce que je vais te frapper sérieusement. Je vais t'amoncher. Si c'est pour ça que tu es venue. Non, hein? Madame, c'est pas pour ça que je suis là. On ne te dispute pas? Je suis venue juste pour que nous puissions arranger les choses à l'amiable. Comment ça met les choses au clair? Écoute, laisse-moi te dire. Je ne suis pas prête pour écouter ces absurdités que tu es sur le point de me raconter. Du fait que ton mari a eu le courage, l'étouper, de faire arrêter mon très cher mari, moi, Omalechadji Djentouano, sans pour autant consulter sa femme, qu'il se prépare, qu'il s'apprête parce que ça ne finira pas ainsi. Il ira avec mon mari devant la cour. Et pour votre information, si vous ne le savez peut-être pas, au coup de l'œil que vous voyez, c'est un serpent. Un grand serpent vert. Retiens-le. Et bien sûr, il n'est même pas mon mari. Tu ne sais même pas reconnaître l'erreur de ton mari. Hein, madame, tu sais son cœur comme ça, pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? C'est toi! Hey, madame! C'est toi! Tu as un problème ou quoi? C'est bien toi! C'est toi, ton mari, ton père, ta mère et les parents de ton mari, voire même tes ancêtres, qui sont stupides, méchants, insensés. Pauvre idiote. Donc, oh, tu essaies de m'insulter. Donc, tu m'as insulté, n'est-ce pas? Ok. Non, madame, pas jusque-là, non. Non, s'il te plaît. Non, c'est pas pour nous battre que je suis venue. Pardon. Oh, Bico, non, tu n'arrives plus à parler. Non, hein? S'il te plaît. S'il te plaît, pardon. Allez, s'il te plaît. Hein? Essaie de comprendre. Non, arrête. Pardon. Allez, s'il te plaît. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Madame, comment tu peux être comme ça? Tu es si méchant, s'il te plaît. Dégage, à ma bouche, dégage, à ma bouche. Allez, mon Dieu. Ah, 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 ah. Allez, va-t'en. Oh, idiote. Ah, reviens. Dieu. Je vais te briser le cou, idiote. Barre-moi la route une autre fois et tu verras. Tu n'as rien vu. Hein? Vous avez eu le culot de faire arrêter mon cher mari. Sans crainte, je vais vous enseigner une très bonne leçon. Au coup de l'étoile aussi. Tu vois là où ta méchanceté nous a conduits? Je commence à me battre à cause de toi. Un mari insensé. Hey, Okuzile, tout ça à cause de toi. Pas de problème. Allez, désolé. Ça fait très mal. Désolé, désolé. Ça va aller, d'accord? Oui, je sais, ça va aller. Désolé. Cette femme est tellement brutale, je ne sais pas pourquoi. Regarde maintenant comment mon visage est déformé. Regarde. Regarde mon visage maintenant. Chut, ça va. Grand frère, cette femme doit le payer. Je jure sur ma vie, elle doit le payer. Ça veut dire quoi tout ça? Grand frère. Notre père ne nous a pas éduqués à battre une femme. Reste en dehors de ceci. Mais regarde le visage de ta femme. Vas-tu rien faire? Je dis calme-toi. Tu veux aller là-bas se battre avec la femme d'autrui? Hein, Tchoukoudi? En fait, va à l'intérieur et attends-moi. Mais grand frère, tu vois... Je dis, va à l'intérieur et attends-moi, Tchoukoudi. Désolé, bébé. Non, ça va. Ça va. Ça fait très mal. Ça va aller, doucement. Obiago. Okudile, qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'il y a ce matin? Pourquoi tu cries mon nom? Obiago, Obiago, c'est toi qui m'avais donné ce nom. Obiago, je suis ton mari. Et après quoi? Je mérite du respect. Qui? Qui moi, mérite moi, je dis. Attends, Kéki. Tu mérites le respect à toi, Kéki. En tant que ton mari. Toi. En tant que ton mari. Juste comme ça. Est-ce que tu t'es regardé? Écoute, laisse-moi te dire. Tout homme qui ne pose pas son regard loin des postérieurs des autres femmes ne mérite en aucun cas le respect de sa femme. Tu m'as entendu? Ok, je t'ai entendu. Par ailleurs, c'est demain que j'irai au tribunal. Mon ami là, Ikena, m'a trouvé une avocate, Maître Willy. Il a dit que l'avocate est au fait, il a dit que l'avocate là est très bonne. Elle connaît bien son travail. Donc, je vais là-bas maintenant pour la voir. J'irai parler avec elle pour voir comment on peut arranger les choses pour demain. Parce que demain est le jour J. Donc. Avec cet habit chiffonné. Ouais, ça va. Tu le savais. Ouais, c'est bon. Pars. Juste comme ça. Comment ça? Juste comme ça. Non, pas juste comme ça. Juste comme si. Juste comme si, Okudile. Écoute, je prie. Je demande au Dieu Tout-Puissant. Afin qu'on me libère. Pour que les juges t'emprisonnent. Je prie pour que tu sois derrière le barreau. Tu mérites d'aller en prison. Je prie pour que les juges t'emprisonnent pour 30 ans. 30 ans. D'ailleurs, pourquoi je dis 30 ans? Je veux que le juge t'emprisonne pour toujours. C'est rien que comme ça que cette chose que tu as entre les jambes va se reposer. Que ça aille se reposer en prison pour toute la vie. Je veux que tu ailles là-bas. En prison. Obiago. Okudile. Es-tu si méchante? Oui. Ton nom ne sera plus Obiago, mais désormais Obiajo. Ça m'est égal. Obiajo. Ça m'est égal. Du fait que tu as décidé de poser cette chose qui prend douche chez toutes les femmes, ta place est en prison. Tu iras en prison. Obiajo. Toi, Okudile. Tu iras en tôle. Oui. Qu'est-ce que tu croyais? Tous ces pays ici-bas. Tu n'as encore rien vu. Regarde-le. Okudili. Okudili. Fais la sourde oreille, c'est pas grave. Mais sache que tu iras en prison. Quand je t'interdisais, tu me prenais pour une idiote inécervelée. Si seulement tu m'avais écouté. Tu vois maintenant, tout ceci n'allait pas t'arriver. Éternel mon Dieu, nous voici encore devant de toi dans ta présence, éternel Dieu. Nous, tes enfants, nous sommes venus chercher ta face, ô Dieu. Fais-nous justice. Ne laisse pas que ce cas qui est au tribunal, éternel Dieu. Donne-nous la victoire au nom de Jésus. Amen. Rends-nous justice au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, toi tu es le juste juge. Amen. Donne-nous la victoire au nom de Jésus. Amen. Donne-nous la victoire au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, ouais. Prends ces problèmes en charge. Éternel, soutiens-nous. Nous avons ainsi prié. Oh Seigneur, s'il te plaît. Écoute, nous avons déjà gagné. Sois de notre côté. C'est décidé. Amen. Jésus. Hey. Tantine? C'est ça. Tantine, j'ai appris que c'est aujourd'hui le procès de Mazi Okudile et ses messieurs. Oui, oh. Ma prière est que Okudile gagne ses procès. Il m'avait promis de faire de moi une grande dame. Hein? Et je crois en Okudile. Tantine, ne t'inquiète pas. Il va gagner. D'ailleurs, il a déjà gagné. Parce que je sais que M. Okudile est très intelligent. Tantine, tu sais que ce gars-là, c'est un expert, non? Il va remporter au tribunal et tu verras comme cet homme-là perdra sa raison. Attends, tu verras. Je crois au Okudile. Tu sais, c'est un homme intelligent. Uh-huh. Il est intelligent et je crois à son intelligence. Oui, je crois en lui. Tantine. Tantine. Je crois en lui. Oui. Okudile n'avait rien fait dans tout ça. Allez, je ne comprends tantine, rien. Fais quelque chose. Allez, Tantine, t'inquiète. Sois juste calme. On va remporter la victoire. Fais confiance à tes petites, non? Allez, apaise-toi. On doit déjà commencer à fêter. Commençons déjà à célébrer, d'ailleurs. Allez-y, prendre une bière à chacune. Ouais!
vais au tribunal, oh. Akune. Je suis là, j'ai déjà fini Akune. Mon mari, j'arrive. Mais dépêche-toi, bon sang, on va être en retard là. Tu me fais perdre du temps. Je suis là. Hein? Ok. Comment tu peux me faire perdre du temps comme ça, tu sais qu'on est en retard? Allez, allons-y. Allons-y vite. Dépêche-toi, dépêche. On doit y aller là et je n'aime pas être en retard, tu le sais très bien. Allô, bébé. Allô? Je suis en route pour la cour. J'aimerais te voir avant d'y aller. Ok, on se voit où? Oui, à notre coin habituel. J'y serai d'ici là. Ok, c'est bon. Je suis déjà en route. Angela, je suis très désolée de la manière dont je t'ai parlé la fois passée. C'est juste que je n'ai pas encore repris les choses en main depuis que mon frère et ton beau-frère ont commencé ces dossiers. Bébé, mais je ne suis pas le mari de ma sœur. Ce n'est pas moi le mari de ma sœur. J'ai hais cet homme avec passion. Je jure. En fait, son caractère est tellement bizarre. As-tu essayé de les raisonner? En fait, ce gars a brûlé le véhicule de mon frère et il ne montrait aucune sorte de remords. Tu vois, ce véhicule est la seule source de revenus dans notre vie maintenant. Bébé, je suis vraiment désolée pour ça. Je suis vraiment désolée. J'espère que cela n'amènera pas de problème entre nous. Jamais. Mais pourquoi tu es toujours là? Tu ne vas pas au tribunal? En fait, j'étais en route pour la cour quand je t'ai appelée. Et je pense que tu pars avec moi. Moi? Ok. À tout le temps, peu importe l'endroit ou les lieux. En fait, je suis avec toi, peu importe le temps. Je te fais confiance. On est ensemble, regarde. Tu dois aller à la cour maintenant. Ton frère a besoin de toi. Et j'ai pris que Dieu lui donne la victoire. Merci. Mon Dieu.
Mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a avec elle? Mais pourquoi elle court? Maître, pardon. J'ai peur. Tu n'as pas besoin de l'aide. Maître, la situation est compliquée. Tu ne devais Maître, pas. Maître, s'il te plaît. Si ça ne va pas marcher, s'il te plaît. Libère-moi et je vais fuir rapidement. Je sais ce que je suis en train de dire, Maître. Tu dois te calmer. Je ne suis pas qu'une avocate de nom, mais de mérite. Mérite comment? Bien sûr. Relax. Au coup de l'aile, calme-toi. Laissez-moi fuir immédiatement. Non, pas de cette façon. Sois juste et calme. Oui, tu dors. Ok, viens à l'intérieur. Calme. Ce que je vois ici me fait peur. Sois calme. Tout ira bien, je t'ai dit. Allons-y. Fais-moi confiance. Allons-y. Bien sûr. Allons-y. Allons-y. Calme-toi, 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 calme-toi. Sois calme. Allons-y. Allons-y. Monseigneur, le cas 207-2019. Entre Okudili Ogemba, le plaignant, et Obiozo Onyema, l'accusé. Le plaignant et l'accusé ici présent. Y a-t-il des comparutions? Monseigneur, je suis Mademoiselle Chinaya Okweya, venant de William Cheva. Je suis avocat de M. Okudeli, les plaignants. Y a-t-il des comparutions pour les défendeurs? Monseigneur, l'accusé n'a pas de comparution. Monsieur Obiozo, pouvez-vous procéder à la barre? Monsieur Obiozo, chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Tenez cette Bible. Répétez après moi. Je, Monsieur Obiozo Onyema. Je, Monsieur Obiozo Onyema. Jure solennellement. Jure solennellement. Que chaque témoignage que je donnerai dans cette cour. Que chaque témoignage que je donnerai dans cette cour. Sera la vérité. Sera la vérité. Et rien que la vérité. Rien que la vérité. Que Dieu me vienne en aide. Que Dieu me vienne en aide. Monsieur Obiozo, est-ce que tu peux expliquer à cette honorable cour le problème qui est entre toi et Monsieur Okudeli ici présent? J'ai acheté un bus avec l'argent gagné à la sueur de mon front. Je lui ai donné après que le véhicule ait développé une petite panne pour qu'il soude l'endroit affecté et il a brûlé mon bus. Voilà ce qui s'est passé. Monsieur Obiozo, tu veux convaincre cette honorable cour que tu as amené ton véhicule auprès de M. Okudeli et il a brûlé ça. Et quand tu as découvert que ton véhicule était brûlé, cela ne t'avait pas inquiété d'aller déposer une plainte? Tout ce que tu as fait, c'est d'aller chez M. Okudeli, l'insulter et toutes les autres choses que tu as faites. Non, je ne l'ai pas insulté. Je suis juste allé demander d'après mon bus. Quand je lui ai posé la question, il était derrière celui qui m'a insulté. Me donnant des coups de poing. Hein? Il a failli même enlever mes dents de ma bouche. Je ne l'ai pas insulté. M. Obiozo, qui était ton témoin lorsque tu avais amené ton véhicule auprès de M. Okudeli? J'étais le seul. Monseigneur, j'en ai fini pour maintenant. Monsieur Obiozo, vous pouvez maintenant descendre. Monsieur Okudeli Odimba, vous pouvez procéder à la barre.
Monsieur Okudili. Êtes-vous un chrétien ou un musulman? Objection, votre honneur. Mon client, Monsieur Ogutli, ne comprend pas et ne parle pas le français. Hey. Dis-moi. Objection accordée. Vous pouvez donc lui parler dans une langue qu'il comprend. Moi, je suis Udemba. Nous avons beaucoup de liens Udemba. Mais quoi? Mais quoi? Monseigneur Okudili a juré en tant que chrétien. Monsieur Okudili, est-ce que tu peux expliquer à cet honorable cour quel est le problème qui est entre toi et Monsieur Obiozo? Moi je voulais. Oh, c'est le qui est encore quoi? Il y a des séries qui n'ont pas de bien sûr. Il y a des séries. Monseigneur, Monsieur Okudili dit que Monsieur Obiozo a apporté son véhicule endommagé dans son atelier, qu'il était fatigué du bus et il a supplié de l'aider à le mettre en feu, et qu'il avait même payé, qu'il avait payé pour pouvoir faire le travail, et il l'a fait selon l'instruction de Monsieur Obiozo. Monsieur Okudili, est-ce que tu as un témoin? Monseigneur, Monsieur Okudili dit qu'il avait deux témoins. Le premier, c'est Dieu. Et le deuxième, c'est son apprenti. Monseigneur, mais permettez-vous, monsieur, d'appeler monsieur Emeka depuis sa cellule de prison. Monsieur Okudili, vous pouvez maintenant descendre. Amenez-le. Monsieur Emeka, vous pouvez venir devant. Monsieur Emeka, vous êtes chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Tenez cette Bible. Répétez après moi. Je, Emeka Okenkompo. Moi, Emeka Okenkompo. Jure solennellement. Tout témoignage que je donnerai dans cette cour. Sera la vérité. Et rien que la vérité. Que Dieu me vienne en aide. Monseigneur, Emeka a juré en tant que chrétien. Vous pouvez procéder avec des questions. Monsieur Emeka, vous pouvez s'il vous plaît expliquer à cette cour ce qui s'est passé entre ces deux hommes. Cet homme-là avait amené sa voiture et nous avait demandé de la réparer. C'était ça même le truc. Et mon patron avait exactement fait ce que le monsieur avait demandé. Monseigneur, j'en ai fini pour maintenant. Silence.
Emeka, vous pouvez descendre. Silence, silence. Mon jugement. Se basant sur les preuves présentées devant cette honorable cour, le plaignant a prouvé sa version de fait au-delà de tout doute. De ce fait, j'ai conclu que le défendeur lui avait réellement demandé de brûler sa voiture. Il sera de ce fait libéré et libre de toutes les charges en rapport avec ce véhicule. La cour! La cour! Dieu va te punir! Dieu te punira! J'ai de l'eau. Aïe! 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 Chérie, mon Dieu! S'il te plaît, ne me fais pas mon ça. Dieu, c'est quoi ça, oh? Angela, Angela, tu es où? Où es-tu passé, Angela? Akune, Akune! Angela, Akune, Angela! Akune, où es-tu? Akune, hein? Akune, Akune, mon Dieu! Ah. Thank you.
Bonjour, monsieur. Infirmière. Bonjour, comment allez-vous? Vous êtes là. Prenez ces dossiers. Très bien. Jeune homme, Chief, soyez le bienvenu. Alors, vous allez bien, docteur? Je vais bien. Êtes-vous son frère? Non, mais je suis de cette communauté. Oui, je suis de son quartier. Très bien, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je revenais de la ville. Vous savez, et ma voiture lui était rentrée dedans. Voilà un peu... Est-ce qu'il va bien? Bien, certes, il ira bien, mais il faudrait qu'on commence les traitements sur lui immédiatement. Oui. Parce qu'à mon avis, je trouve qu'il a connu une hausse des tensions artérielles. Et nous devons agir immédiatement avant que ce soit tard. Docteur. Oui. J'aimerais vous dire, l'argent n'est pas le problème. Et ça ne le sera jamais d'ailleurs. Je vais vous proposer 200 000 afin que vous puissiez le soigner et le garder sain et sauf. Ok? Très bien alors. Il doit vivre. Il doit vivre. Il faudrait alors que j'y aille débuter le traitement immédiatement. Et nous allons faire de notre mieux étant médecin pour lui tirer d'affaire. Aie confiance. C'est bon docteur. Merci. Merci encore. Je vous en prie. Je vous en prie. Les filles qui sont fainéantes. Je veux que vous soyez très intelligentes et être bien avec mes clients. Je ne veux même pas que quelqu'un se plaigne de vous. Non. Vous devez travailler durement et ne venez pas ici pour dormir. Je suis une bosseuse, madame. Je peux servir n'importe quoi. Okay. Donnez-moi juste ce boulot et vous verrez, madame. Tourne un peu. Tournez. Tourne. Neka! Ma! Viens, viens, viens s'il te plaît, ma chère. Pourquoi vous riez, madame? Neka, viens. Maman. Tourne un peu, viens. Tu l'as vu? C'est comme ça que les filles d'ici doivent être. Ça, c'est vraiment ce que je recherche. Alors, je ne sais pas. Ah, madame, oublie cette chose. Ignore-les. Vous voyez ça? Dès que je vais me mettre au boulot, les clients viendront en excès. Ça, madame, c'est une force d'attraction. Croyez-moi. J'ai entendu. Oh, vas-y, rentre là où tu étais. Qu'est-ce que vous dites, madame? Okudeli. J'ai gagné. J'ai gagné. Mon bébé. J'ai gagné. Qu'est-ce que l'on dit? Gagnant, 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 gagnant. Je suis gagnant. Qu'est-ce que vous dites? J'ai gagné le procès. Je crois en toi. Qu'est-ce que tu dis? Je crois en toi. Hey! Hey! Okudeli. J'ai besoin de moi. Hein? C'est pourquoi je me suis dit qu'après avoir gagné le procès, je dois venir ici pour célébrer. Nous devons le célébrer. Ah, ah, tu dois ici venir en premier lieu. Apporte de la boisson, apporte de la viande, Neka, apporte tout. Maman. Vite, 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 vite. Qu'est-ce que l'on raconte? Va là-bas, va là-bas. Qu'est-ce que je vous apporte? Neka! Mon bébé, je crois. Oui, faites vite. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Laquelle prends-tu? Prends un casier, va prendre un casier. Montrez-lui ce qu'elle doit faire. Ikiero, prends ce que tu veux. Donnez-leur deux. Okudeli! Donne-leur deux. Tchoukassim, tchoukassim. Mon bébé! Okudeli. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Hey, je l'ai je dit. Je sais ce que tu es capable je de faire. Je l'ai dit. Je sais ce que tu je es capable dit. De faire. Je l'ai ça, dit. Ça, c'est mon coup d'élite. Je crois en toi. Donne-moi. Hey.
girl and we're king of the games. I'm very confused. Follow me down. Watch out when you're on. Eternal in Africa. Personne qui est à la porte. Ok, c'est bien, j'arrive. Peut-être que c'est Obiozo ou ton mari. Hé, j'arrive. Ok. Où est mon mari? Hein? Où est Obiozo? Calme-toi, hein? Ma femme. Où est mon mari, non? On a cherché partout. Et il n'y a aucun trace de lui. Hé, hey, je le savais. Je le savais, mes ennemis se sont décidés de me finir. Où est-ce que je vais aller trouver secours? À qui irai-je? Deux frères sont disparus en un jour. Hey. S'il vous plaît, ne faites pas du mal à mon mari. Ne lui faites pas du mal, s'il vous plaît. Ma chère, calme-toi. Hein? Calme-toi. Je crois qu'il sera de retour. Ok? Ressaisis-toi, ma chère. Oui. Oui, je crois qu'il sera là. Certainement, il rentrera, hein? Peut-être qu'il est allé chercher un chukudui. Onogo, calme-toi. Hey. Angela, oui, s'il monsieur. Te plaît, prends soin d'elle. N'ose pas la laisser seule dans cette condition. Oui, hein? Ok, monsieur. Je suis là. Dieu. Né, calme-toi, hein, s'il te plaît. Allons dans la maison. Je crois qu'ils seront là d'un moment à l'autre. Hein, s'il te plaît. Entrons. I'm very confused. Follow me down. Watch out when you're on. Eternal in Africa. Eternal in Africa. Follow me down. Watch out when you're on. Eternal in Africa. Eternal in Africa. Plus question de s'ennuyer devant.
Donc tu sais danser comme ça. Me voici. Tu sais. Donc tu sais danser comme ça. Et tu me l'avais pas dit. C'est ça que tu dis comme ça. Monsieur Okudili. Monsieur Tata. C'est comme ça qu'on l'appelle en français. À l'époque, au Cameroun, Congo et autres. C'est vrai? Oui. Si tu veux faire ça avec moi, monsieur Okudili, professionnel, original, dansez quoi? Dansez quoi? Dansez quoi? Si je veux qu'on danse, je dirai, monsieur Okudili, s'il vous plaît, dansez quoi? Mister Okudili, excusez-moi, dansez quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais toi là, tu la fermes là-bas. Monsieur Okudili, dansez quoi? Excuse-moi, si c'est dans notre dialecte, si c'est dans notre lingua franca. Aïe. Oui. Qu'est-ce, dans notre que, lingua qu'est-ce que ça veut franca. Dire même? Oh, il faut la fermer. Il faut m'écouter quand je vous éduque. Dans notre lingua franca, on dira Okudili, taïgbelenu. Zuka Zuka, dansez quoi? Zuka Zuka, viens danser quoi? Excusez-moi, dansez quoi, Didier? Dansez quoi? Didier, dansez quoi? DJ, fais de la musique. Ah! You can in Africa. You can in Africa. Follow me now. What are we using? You can in Africa. You can in Africa. Mon Dieu. Ah, oncle, il n'y a toujours pas d'espoir. Oncle, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Oncle, allez, oncle, parle-moi, non? Oncle, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Mazur Abala, bonsoir. Qu'est-ce que je viens de t'entendre dire? Je dis Mazur Abala, bonsoir. Rectificatif. Je suis l'honorable Abala, le greffier en chef de la cour. Donc tu devrais t'adresser à moi correctement. Ok, trop bien. Honorable Mazur Abala. Bonsoir, monsieur. Merci, merci, merci. Tu peux le répéter. Alors, quelle est ta nomenclature? Regarde, je ne suis pas... un problématique. Je suis juste à la recherche de mon ami Mazo Biozo. C'est lui qui avait un procès contre Mazo Kudele. Et tu dis que tu n'es pas une entité. Je ne le suis mais pas. Tu parles comme une. Si ce n'est pas. Si ce n'est pas à cause d'une chose. Sinon, je ne parle pas seulement de mes sandales qui ont été volées là où je suis allé. Prendre du vin du palme, siroter un peu d'alcool. Et voilà. Toi, tu viens ici pour aggraver encore ma blessure. Écoute, tu dis que tu t'appelles comment même? Je suis Mazou Demba. Mazou Demba ou quel que soit ton nom. N'importe quel jour, tu me rencontreras sur la route et me poseras une question inutile. Concernant ton hobby, je ne sais quoi. Je vais m'assurer de te traîner en justice et de te mettre derrière les barreaux. Bêtise.
Désolé, oh. Bêtise. Tu devrais être désolé pour non, toi. Je suis vraiment désolé. Je dis bêtise. Bêtise. Tu n'es rien d'autre qu'un imbécile. Vas-y. Je dis continue. Tu n'es qu'un bon à rien. Je suis désolé. Tu n'es qu'un bon à rien. Un grand imbécile d'un bon à rien. Regardez-le. Ils sont toujours là à détruire la vie d'autres personnes. Ils causent du tort à tout le monde ici au village. Hein? Oublie ça. Tout ce que vous savez faire, c'est prendre de l'alcool, danser avec les femmes et coucher avec elles. Vous n'accomplissez rien du tout. Voilà vos vies. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a cet homme? Cet homme, j'en finirai avec lui. Docteur. Oui. Dites-moi un peu, il va aller mieux? Parce que j'ai un peu peur. C'est depuis hier qu'il est en train de dormir. Hein? Chief. Il va bien. Il va retrouver connaissance au fur et à mesure que le traitement avance. Ok. Docteur. Chief. S'il vous plaît, sauvez-le. Très bien, Chief. On fera de notre mieux étant médecin. Ok. Et infirmière, rassurez-vous de lui injecter B complexe dans son traitement, ok? Oui, monsieur. Et passez me voir au bureau un peu plus tard. Chief, je serai dans mon bureau. C'est d'accord, docteur. Hein? Merci. Excusez, messieurs. Ça va? Docteur? 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 Il va bien maintenant? Il va bien. Observons-le aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, docteur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Je ne sais pas comment vous remercier. Chief, allez juste compléter le reste de paiement à la réception. Oui, je vais le faire. Je serai dans mon bureau. D'accord. Heureux de vous voir, Chief. Merci beaucoup. Très bien. Calme-toi. Calme-toi, non. S'il te plaît, ne réagis pas comme ça. Calme-toi, sois calme. Oui, Tantine, c'est bon, s'il te plaît. Calme-toi, s'il te plaît. Je t'en prie, calme-toi. Ils sont juste là, c'est pas mon bouton, ne réponds pas. Mais mon mari. Et ma Marie, s'il te plaît, calme-toi, non. C'est bon, je dois te calmer. S'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît. Non, s'il te plaît, calme-toi. Tu ne dors pas comme ça, calme-toi, s'il te plaît. Tu dois te calmer d'abord. Mon mari, saisis-toi, tu dois te calmer. Tu dois te calmer, non, s'il te plaît, tu vas te faire du mal. Je ne comprends rien. Mon Dieu. Donc, Obiozo, mon ami. Courage, toujours pas de nouvelles. Vous ne l'avez toujours pas vu. Calme-toi, non. Hey, nom de Dieu. Tu vas te faire du mal, je suis en train de te le dire. Oui, hey. Je t'en prie, calme-toi. S'il te plaît. Mon Dieu, le monde méchant. S'il te plaît, calme-toi. Non, s'il te plaît. Calme-toi un peu. Oui, je sais. Je ne vais pas rester veuve. Je ne vais pas rester veuve. Mon frère, tu as dit que ton nom c'est Obiozo. À quoi est-ce que tu pensais? Hein? Tu marchais sur la route. As-tu oublié qu'il y a des voitures qui passent par-ci, par-là? Dis-moi exactement, c'était quoi le problème? Parle-moi, c'était quoi? J'aimerais être mort en ce moment. Quoi? Pourquoi je vis? J'aimerais que votre véhicule m'envoie dans l'au-delà. J'étais un homme riche, confortable. Jusqu'à ce que je perde mes marchandises dans un naufrage. Alors que j'ai emprunté de l'argent pour commander ces marchandises. Au lieu que la banque m'aide, elle m'a plutôt fait sortir de ma maison que j'ai proposée comme garantie. Voilà comment cela s'était produit. C'est pourquoi je suis devenu comme ça. Mon frère, arrête de pleurer comme ça.
Mais qu'est-ce qui est arrivé à ta compagnie? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? C'était même le pire de tout. Je ne savais pas que la plupart de ces sociétés d'assurance étaient des anarcheux. Ça va aller. Par où je vais commencer une nouvelle vie? Ah. Ma famille, comment je vais faire ça? Hein? Ah. Ok, pas grave. Cette maison se trouve à Asaba? Oui. À New Life Road, au numéro 7. Ça va aller. Ça va aller. Ça ne va pas. Mon frère, ça va aller, t'en fais pas. Pourquoi je vis encore? Ceci n'est pas la vie. Ça va aller. Pas juste. Pourquoi je vis? Où est-ce que je vais tout commencer maintenant avec cette souffrance? Et ma famille? Et ma femme? Par où je vais commencer? Je comprends. Je comprends. T'en fais pas, ok? T'en fais pas. Tu dois juste te calmer, ok? Calme-toi. Demain, je crois bien pouvoir faire quelque chose. Calme-toi. Hein, mon vieux? Hein? Calme-toi. Allez, Tonya. Attends-moi, s'il te plaît. Pourquoi tu te précipites comme ça? J'ai été posé une question, mais tu ne m'as pas répondu. Dis-moi, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui te dérange? Je sais juste d'aider. Voilà pourquoi je te pose beaucoup de questions. Parce que ces problèmes me dépassent vraiment. Dès ces faits, j'ai quand même droit à une réponse. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je suis sûre que tes beaux-frères sont quelque part en train de se régaler, de se réjouir. Et vous, vous êtes en train de pleurer et faire l'air d'œil comme s'ils étaient morts. Laisse ça comme ça. Laisse-moi te prévenir. La prochaine fois que tu vas essayer de m'arrêter encore, tu verras ce que je ferai de toi. J'essaie d'aider ta soeur. Ne m'aide pas. Va te mêler de tes histoires. Ah, ah, laisse-moi. Tonya, reviens. Tu es vraiment partie. Qu'est-ce qu'on raconte? Hier, hein? C'est un coup de foudre. Oh, Koudi, tu es fort. Tu es super aussi. Tous les deux, vous n'êtes que de vauriens, des oiseaux de même plumage. Vous êtes là en train de fêter et de célébrer pour le malheur d'une autre personne. Tu es méchant. Tu bois avec ces vauriens que tu appelles amis. C'est taré. Vous buvez et célébrez pendant qu'une autre personne souffre. C'est quoi ça? Cette méchanceté au Koudili t'écoutera cher un jour, crois-moi. T'inquiète pas. Et ces jours-là, tu seras tout seul au Koudili. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. C'est plus pour longtemps. Patience. Méchant type. Madame, tu devrais être heureuse. Mais réjouis-toi. Va à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Méchant type. Le juge aurait dû venir dans cette maison et voir combien tu es méchant. Je suis sûr qu'il n'a. J'ai gagné le procès. Quel cas? J'ai gagné le procès là. N'est-ce pas que tu as été rejeté? De quoi est-ce que tu parles? Pourquoi tu crois que c'est fini? C'est pas fini. Prends aussi un peu. Ici au monde, plus personne ne t'aime. Je le déteste aussi. Les gens ne te reconnaissent plus. Je le déteste aussi. Ton cœur est méchant. Si jamais un problème t'arrive ici à Umuda, personne ne viendra à ton secours parce que tu t'es rendu toi-même inutile. Voyez-le. Bon, écoute, madame, tu devrais être heureuse pour ton mari. Je ne vais pas m'éréger. Sois heureuse. Je suis témoin de ceci. Tu seras accusé d'avoir mordu et seras traduit devant le tribunal. Et toi,
C'est toi qu'on va arrêter. Je ferai tout. C'est toi qu'on va arrêter, espèce de Je vais t'envoyer derrière Tu iras devant le barreau. Je ferai tout pour toi. Que tu sois jugé. C'est bien toi. T'inquiète pas. Tu iras là-bas. Je m'en vais. Viens ici. Arrête-toi là-bas. Où penses que tu vas? Hein? Quoi? Où est-ce que tu penses que tu vas? Donc tu viens dans ma maison après avoir été avec mes ennemis, n'est-ce pas? Ça ne peut pas se passer. Tu t'associes à mes ennemis, n'est-ce pas? Nkaouka, oncle, je n'ai pas d'énergie pour toi ce matin, oh. Je suis venu dans la maison de ma sœur et non chez toi. Va là-bas. Méfie-toi. Ta sœur est ma femme. Je l'ai épousée avec mon argent durement gagné. Donc je décide de ce qui se passe ici et qui rentre ici. Hein? Tu mens. Elle est où? Okudile, tu mens. Tu n'importe quoi. Dis-moi, qu'est-ce qui peut certifier que tu es un homme si ce n'est pas les postérieurs d'Azuka? Bien, tu peux faire ce que tu veux au bar d'Azuka et aussi sur tout son corps. Mais mon ami, pas dans cette maison. Tout ce qui se trouve dans cette maison m'appartient. Oui, oh. Dis-le-lui, ma soeur. Dis-le-lui, oncle, c'est quoi tout ce que tu fais? Ferme ta bouche. C'est ton ami? D'où est-ce que tu viens? Et où est-ce que tu es passé hier? Tu entends la question? Vas-y. Dis-le là où tu as dormi hier nuit. Dis-le lui. Ma soeur, j'ai assisté juste la soeur Akune. Parce que son mari a disparu depuis hier. Juste après le verdict du tribunal hier qu'il avait avec oncle. Tu l'as entendu? Regarde-la. Écoute ce qu'elle dit. Son travail maintenant, c'est aller compatir avec les gens. Si ton mari a disparu ou bien ta femme a disparu, elle va venir te consoler. Mademoiselle la consolatrice. Oh, continue à consoler. Respecte-toi. Il a quoi? Respecte-toi. Elle est la consolateur. Monsieur tout le monde. Elle est consolateur. Monsieur qui couche. Elle est consolateur. C'est quoi c'est ton une consolatrice? Toi-même. Tu es la sœur d'une consolatrice. Sœur de la consolatrice. De grâce, qui sœur de la consolatrice. Un mari unique. Conso. Toi-même. Conso. Tu ne sais que faire du boucan. Qu'est-ce que tu disais? Ma sœur, ce n'est même pas de ça que je suis en train de parler. Tu es là debout pendant que ton mari est en train de m'insulter n'importe comment. Et tu ne dis mot. Il commence à en faire de trop. La prochaine fois qu'il va m'insulter, moi aussi je vais. Arrête-moi cette bêtise. Il ne mérite pas d'être respecté. Qui ne mérite pas le respect? Mon mari? Ça va pas dans ta tête. C'est ton mari? Si tu insultes mon mari encore une fois, je te jetterai de cette maison. Nos disputes ne te regardent pas. Ouais. Je te jetterai de cette maison. Ça, c'est ma femme. Qu'est-ce que tu dis? C'est une vraie femme. T'es une femme véritable. Regarde cette idiote. Hein? Allons à l'intérieur, là. Pour je vais aller te consoler. Pour faire quoi? Allons faire la consolation, non? Tu veux que j'aille. Allons-y pour que je te console. Désolé, dans la chambre à coucher. Je n'irai pas très cher, monsieur. Si tu as envie de ça, va voir Azuka. Allons à l'intérieur pour que je te console. Celle-ci, c'est une autre forme de console. Tu n'as pas. Celle-ci, je ne te l'ai pas encore donnée. Je ne sais pas tu n'as pas tu encore goûté. Donc ça. Allons. Je n'en ai allons, pas je besoin. Vais. Celle-ci est une nouvelle forme de console. Va plutôt voir Azuka. Allons à l'intérieur. Lâche-moi, s'il te plaît. Je allons n'en vais faire console. Allons, je n'en vais allons-y. Pas. Allons-y. Notre femme, bonjour. Comment tu as passé la nuit? Mazubim, j'ai l'air de quelqu'un qui va bien. Hein? Avec cette situation dans laquelle je me retrouve, mon mari et son frère sont disparus depuis hier. Est-ce que ça peut aller? Hein? Dis-moi, est-ce que je peux être en forme? Ne t'inquiète pas. Regarde, hein? Où qu'ils soient, ils vont bien. Hein? Quelque chose me dit qu'ils vont bien là où ils sont. Ok? Arrête de t'inquiéter. Chukudi. C'est pas ce que je t'ai dit. Chukudi. Chukudi. Viens. Je t'avais dit.
Hein? Chikudi. Chikudi, j'ai appris que tu as été enlevé hier. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Des gens étranges m'ont kidnappé hier quand j'ai parti avec Angela à la cour. Ils m'ont gardé quelque part et m'ont dit qu'ils ne vont pas me libérer jusqu'à minuit. Est-ce que tu as vu mon mari là-bas? Mais ils viennent de me libérer maintenant. As-tu vu mon mari là-bas? Quoi? Je ne comprends pas. Où est mon frère? Calme-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoute. Ce qui s'est passé est que il est introuvable. Non, ne me dis pas ça. Depuis hier. Je ne l'ai pas encore vu. Voilà pourquoi je suis ici ce matin. Personne ne l'a vu depuis hier. Après avoir perdu le procès contre Okudeli, on ne l'a plus revu depuis lors. On a perdu le procès. Voilà pourquoi je suis ici ce matin. Donc depuis hier. Mon Dieu, sauve mon mari. Calme-toi. Calme-toi. Obioso s'en sortira, ok? Notre femme. Notre femme, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Calme-toi. C'est bon, c'est bon. Allons à l'intérieur. Oui, allons à l'intérieur. Allons à l'intérieur. Allons-y, ça ira, calme. Mazioko. Oui, mon fils. Je continue toujours à me demander pourquoi mon frère et moi serions kidnappés juste comme ça. Mon fils Chikodi, je suis également perdu, comme toi. Je me demande pourquoi tout ça. Mon instinct m'indique qu'il y a quelqu'un quelque part en train de planifier quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, Dieu va les disgracier. Amen. Remercions Dieu pour ton amie, Angela. Elle nous a aidés hier. Elle a pris soin de Akune. Elle est gentille. Alors, j'aimerais te dire merci pour avoir une amie comme ça. Honnêtement, je suis surpris. Mais je suis heureux. En effet, je dois aller la voir immédiatement. Oui, mais avant de partir, pourquoi ne pas rentrer et prendre un bain? Regarde à quoi tu ressembles. Rentre d'abord. Mazudembe, tu as raison, que je puisse me laver d'abord. Hein. Merci. Vas-y, fais ça, ok? Merci. Hein? Ah, mon Dieu, vraiment. Écoute. Okudelo, peu importe comment on t'appelle, la prochaine fois que tu ouvres encore ta bouche pour me dire des bêtises devant ma sœur, c'est ce jour-là que tu vas lui expliquer ce que tu faisais dans la brousse avec Madame Azuka. Oh, regarde comment elle me parle. Là, nous sommes des semblables, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu peux me parler n'importe comment et m'appeler même pas mon nom. Pas de problème. Tu veux me faire des chantages? En tout cas, je ne sais pas ce que tu racontes. Tu sais ce que je suis en train de dire et c'est ce que je ferai exactement. Bonjour, monsieur. Que le tonnerre te frappe là-bas. Que fais-tu ici? Ah, ah. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, pourquoi t'es venu ici? Ça ne sert à rien. C'est mon visiteur et non le tien. N'oublie pas que chacun s'occupe de ses affaires. Ah, qu'est-ce que je vois? Arrête cette foutaise-là. T'es en train de l'embrasser devant moi parce que tu m'avais vu l'autre fois dans la brousse en train de chercher des fagots de bois. C'est pourquoi tu fais ça devant moi. Mon frère, je vais au boulot. Quand je reviens et te vois ici, tu es fini. Tu reviendras ici. Allez, tu ne trouveras ici au retour. Ce ne sont que des grimaces. Okay. Tu ne feras rien. Vous allez revenir. Tu ne trouveras ici au retour. T'occupe pas de ces gars, c'est un troubadour. Il ne fera rien, c'est juste un rabat-joie. Il n'a rien à faire derrière ces grimaces. T'occupe pas bébé, de lui. S'il te plaît, allons-nous-en. Nous avons déjà beaucoup de problèmes comme ça, s'il te plaît. On va dans la maison. Je ne peux pas rester ici. Non. Nous devons partir. Dis-moi, qu'est-ce que tu étais en train de faire avec cet homme? Ma sœur, je suis juste en train de l'aider à retrouver son frère qui a disparu, ça fait déjà 3 jours, après le verdict du tribunal avec oncle Okudeli. Vous êtes en train de chercher son frère. Donc maintenant, tu t'es transformée en policière. Hein? Tu l'as retrouvé? Reste très loin de ses problèmes. Tu m'as entendu? Ah, mon assista, Chukou, c'est mon ami. Je ne peux pas l'abandonner dans cette période difficile. Il était même kidnappé le même jour lui aussi, hein, mais il est retourné ce matin.
Donc c'est toi qui l'as retrouvé. Ou soit tu veux aussi te faire kidnapper. Hein? Je te l'ai redit. Reste loin, loin de ces problèmes. Parce que si quelque chose t'arrive, ne compte pas sur moi. Ma soeur, parce que je n'interviendrai pas. Ma soeur, rien de mal ne m'arrivera. Rien de mal n'arrivera. Rien ne va arriver. Alors on y va. On y va à la maison. Ma soeur, je vais te rejoindre bientôt. Hein? Si tu crois que je blague, quand les problèmes arriveront, cette sœur que tu vois n'interviendra pas. Ma sœur, si tu es plus un peu compréhensive, j'arrive. Désolé. Bonjour. Bonjour. Ah, s'il te plaît, je cherche mon frère. L'as-tu vu? C'est qui ton frère? Obiozo. Il est lancé et de teint clair. Il conduit un bus. Désolé, je ne le connais pas. Hey. Allez, t'inquiète, que ça va aller. Faire, hein? Merci. Ok, merci. Bye bye. Au revoir. Ça va aller. Tu ne te déranges pas trop. Quand tu lui as parlé, a-t-elle dit quelque chose concernant mon frère? Non, elle ne m'a pas demandé. Elle m'a juste demandé de retourner à la maison. Ok. Va avec elle. Je vais continuer à partir d'ici. Je pense que je dois aller faire une plainte à la police. Crois-moi, rien de mal ne lui arrivera. Je sais. Je serai chez toi aujourd'hui tard la nuit. Très bien. Monsieur, vous allez bien? Monsieur, calmez-vous, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois plus. Vous ne me voyez pas? Je ne vois plus. Hey, je ne vois plus. Vous ne me voyez pas? Je ne vois plus. Monsieur, je ne vois plus. Va appeler Azuka pour moi. J'arrive, monsieur. Va m'appeler Azuka, va me l'appeler. Aïe! Hey, monsieur, je suis fini, je ne vois plus. Hey, monsieur. La vie est vraiment belle. La vie est très belle. Hey! Hey! Le greffier numéro 1 du pays. Hey! C'est ça. C'est ça même. Hey! Hey! Allez, viens. Tu sais, hey! L'argent y est. L'argent y est. Hey! Azo, il y a un problème. C'est quoi? Azo. Où est l'argent? Quel argent? Au coup, ils devaient te donner l'argent pour que tu me mettes mal encore. Quel argent? Alors pourquoi tu es là sans argent? Azo, ce n'est pas ce pourquoi je suis là. Alors pourquoi tu es ici? Azo, mon maître est aveugle. Hein? Hein? Il n'arrive plus à voir du tout.
Et c'est ce pourquoi elle m'a demandé de venir t'appeler. Azo, s'il te plaît, allons-y. Hey, au coup, il t'a demandé de venir m'appeler. Hey, et pourquoi non? Hein? Sa femme? Ou quoi? Je ne comprends rien. Pourquoi il t'a dit de venir me chercher? Hein? Je suis devenu docteur. Hey, le monde ne cesse de nous étonner. Mon Dieu. Je le disais. Je le savais. Tu as vu sa réaction? Pendant qu'on l'informe que son souga bébé ne se sent pas bien, il est à l'hôpital. Mais c'est parce qu'elle est occupée, elle n'a pas le temps vraiment de parler par ce temps. Voyez-moi celle-là. Quand elle venait ici avec de l'argent, elle avait le temps. C'est aujourd'hui qu'elle n'a plus le temps. Hey. Je ne le blâme pas. Il a passé son temps à dépenser de l'argent sur cette profiteuse. Merci. Au lieu d'en faire bénéficier à sa femme. C'est ça. Merci, mais c'est ses affaires. Il profitait juste de son temps. T'es grâce. Je ne vais pas m'attirer d'ennui. Je me remets au boulot. Ah ah. Mais qu'est-ce qu'on attend ici? Partons, non? Ah. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Oncle, c'est moi. Ameka? C'est Ameka. Où est Azuka? Zuka, Zuka. Où est-elle? Azuka a refusé de venir. Hein? Azo a refusé. Tu es où? Tu es où? Je suis où, juste tiens là. Tiens-moi. Ameka. Doucement. Amène-moi à la maison. Amène-moi à la maison. Amène-moi à la maison. Aïe, je suis fini au... De nouvelles? Rien à signaler. J'ai cherché presque partout et je n'ai trouvé aucune information importante. Finalement, j'ai fait la plainte à la police et j'irai là-bas demain matin. Ah! Pas ça. Ah mon Dieu, ne me laisse pas. S'il te plaît, oh, calme-toi. S'il te plaît, arrête ça. Timo! Arrête ça, non? Tu veux te faire du mal ou quoi, hein? Mon mari. Arrête, s'il te plaît, je t'en prie, s'il te plaît. Ah. S'il te plaît, non, lève-toi, lève-toi. Ne te fais pas de cette chose. Ça devient très sérieux. Viens t'asseoir. Viens, s'il te plaît. Timo. Viens t'asseoir, ok? Assieds-toi. Timo. Assieds-toi, hein? Oh. Ça ira, ok, hein? Mon instinct me dit que tout ira bien. Oh, rien ne va lui arriver. Hein? Mario. Hey! Oh, Biago! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu ma vie. J'ai perdu ma vie. S'il te plaît, viens m'aider. Je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Je n'ai pas le temps pour tes blagues. Oh, Biago, Bicono. Pardon, Bicono. Ce n'est pas de la blague. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il ne ment pas. Il ne voit vraiment pas. Qu'est-ce qui est vrai? Pardon. Arrête-moi ça. Dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, Biago, j'ai perdu ma vie. C'est Azuka. Azuka t'a chassé. Non. Azuka. Obiago, laisse Azuka en dehors de ceci. Tu sais que je t'aime. Quel amour?
que cet amour te tue. Oh. Allez, pars avec lui chez Azuka. Non. Conduis-le chez Azuka. Non. N'appelle pas Azuka, s'il te plaît. Ignore Azuka, s'il te plaît. Ignore-la. Tu sais que je t'aime. Hein? Oh, tu sais que je t'aime. Tu sais que c'est pour le meilleur et le pire, s'il te plaît. S'il te plaît. Que la foudre s'abatte sur tes lèvres. Aïe. Je ne vais pas te voir. Aïe, pardon. Conduis-le chez Azuka tout de suite. Biko, pardonne-moi. Pardonne-moi. N'essaie même pas d'entrer à la maison. Je te conseillerais d'aller voir Azuka. Partez au bar d'Azuka. Aide-les à se lever. Oh, Biago. Va voir Azuka. Il n'y a pas de place pour toi. Pardon. Je t'ai conseillé tout le jour et tu refusais. S'il te plaît. Il n'y a pas de place pour toi. Va voir Azuka. Biko, nounou. Biko, pardon. Pardon, s'il te plaît. Va chez Azuka. Ramène-lui. Chez Azuka. Mon amour. C'est Azuka. Ma chérie. Qui bouffait tout ton argent. Mon amour, pardonne-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu me donnes? Tu reviens vers moi parce que ça ne va pas. Tu l'as payé seul. Pardonnez-le. 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 Fais-le entrer. Mais sache que je ne vais pas mourir de toi. Merci. Tais-toi, ma chérie, idiote. Pardon. Qu'est-ce que tu sais du mariage? Aide-moi. Tu ne sais que parler, idiote. Merci. Aide-moi. Tu vois ce qui t'est arrivé aujourd'hui? Oh, pardon. Merci. Oh, merci. Akune, bonjour. Hein? Hey! Comment tu as passé la nuit? Écoute, comment dire que ma nuit s'est bien passée quand mon unique frère a disparu? Mais Dieu merci, puisqu'on est en vie. J'espère que mon mari est en sécurité. Peu importe le moment, à moins que c'est Dieu que je sers. Ne sois plus vivant. Akune, je suis très fort. Je crois que mon frère n'est pas mort. Hein? D'ailleurs, je me prépare pour aller rencontrer Mazu Demba pour qu'on parte au commissariat de la police comme prévu. Zubwadel, laisse-moi te faire un truc à mettre sur la dent, hein? Pour que tu sois fort. Un instant. Fais-le pour moi. Merci beaucoup. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tchoukoui. Hein? Où est-ce que tu vas, tôt le matin comme ça? Je pars au commissariat de la police. Alors je me suis dit que je dois voir Mazu Demba pour qu'on y aille ensemble. Tchoukoui, devine quoi? Ah. Angela, tu dois savoir que je n'ai ni l'esprit ni l'humeur de deviner quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a? Tchoukoui, le monde ne cesse de nous étonner. Mon oncle Okudele, le mari de ma sœur, il est devenu aveugle. C'est juste comme ça. Hey! Quoi? C'est une blague? Comment? Quand? C'est arrivé comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Les pourquoi, les quand et comment? Ce sont des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse. On l'a ramené hier de la maison par son travailleur Emeka. Maintenant que je vous parle là, il est devenu complètement aveugle. Que Dieu l'interprète. Au vrai sens du mot. Le Dieu que je sers, il est le défenseur des faibles. Okudi, viens. Viens manger, hein, comme ça tu vas gagner le temps. Oui, viens. Oui. Tchoukoui, viens manger. Ah, gagnons le temps. Apportez-moi la nourriture, non, hein? Mazu Demba m'attend. Je suis là. Hein? Je suis là. Fais vite. Sers-lui à manger. Il doit se dépêcher. Ah,
Mazu Demba, tu es là. Je comptais manger rapidement avant de te rejoindre. Ne vous inquiétez pas, ok? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? En venant chez vous, maintenant là, j'ai vu Mazu Okudele. Il est devenu aveugle. Timo, il ne peut plus voir. Peu importe la cause, il le mérite. Hey! Je vous l'avais dit. Hey! 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 Va voir au portail. Hein? Qui est là? Quelqu'un vient nous voir. Et apparemment, cette visite est différente d'autres. Patientez, on n'a pas de sentinelle. Oh. Ouvrez bien ce portail, Angela. Ouvrez-le bien. D'ailleurs, c'est qui comme ça? Une voiture. Voiture comme ça. C'est qui? Ça vient d'où comme ça? Bien. Une Jeep? Nous n'avons offensé personne. Tu attendais quelqu'un? Qui comme ça? Je pense qu'on est en sécurité. Bienvenue, monsieur. Bonjour, salut. Monsieur. Bienvenue, oui, monsieur. Oui, merci. Salut, merci monsieur. Bien. Venez, monsieur. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Obioso. Obioso. Ewo. Hey. Okolo Obioso. C'est bien lui. Obioso est de retour. Comment tu vas? Timo. Hey. Wane. Obioso. Hey. Hey. Obioso. Malaisien. Hey. Oi. Obioso. Hey. Obioso. Obioso Wane. Hey. Obioso. Hey. Viens te mettre ici. Hey. Obioso. Hey. Ewo. Hey. Mon Malaisien. Hey! Mon Malais, Malais, s'il te plaît. Assieds-toi. Biko, s'il vous plaît, voici Chief. Chief. Wantache. Timeleze. Chief, voici chez moi. Et voici ma femme. Lui, c'est mon frère Chukwudi. Voici mes parents. Mon frère, mon oncle et j'ai une soeur qui est partie à l'école. S'il vous plaît, quand je quittais le tribunal après le jugement, j'ai eu un accident. Ewo! Il m'a secouru, il a pris soin de moi et il a tout fait pour payer les factures d'hôpital. C'est un homme de bon cœur. Mais il est toujours debout, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Apportez-lui une chaise, dépêchez-vous. Laisse-moi lui trouver du cola. Laisse-moi trouver le cola. Vite, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Mais non. Je vous salue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce n'était rien. Laisse-moi trouver le cola. Mon frère, j'aimerais vous remercier une fois de plus pour m'avoir ramené mon ami ici. Merci beaucoup. Mais non, ce n'était rien du tout. Mais sinon, il doit continuer à prendre ses médicaments pour l'aider à guérir. Tu le sais vraiment, il n'aime pas prendre le médicament. Il doit très bien les prendre. Tu avais dit que ta maison à la cité se trouve sur l'avenue One Life au numéro 7, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. C'est bon, j'arrive tout de suite, attendez un peu. J'espère que ça va. Écoute, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, pas de problème. T'inquiète pas. Il n'y a pas de problème, hein? Mon frère. J'ai actuellement... Voici les documents de ta maison. Ceux qui vont te permettre de rester dans ce pays... Et dans ce même paquet, il y a assez d'argent qui peut t'aider à pouvoir créer ton entreprise, qui peut t'aider à t'en sortir. Et tu peux l'avoir, voilà. Tu n'es que mes... Doucement.
Doucement, calme-toi. Allez, doucement. Mais non, je ne fais que faire ce qui est juste. Ok. Merci beaucoup, hein, monsieur. Prends ça. Viens, ce sont nos documents. Les documents de notre maison. Hey, que tu veux. C'est bon, calmez-vous. Hey, calmez-vous. Merci, monsieur. Hein, calmez-vous. Je vais t'aider personnellement dans ton business, ok? Voici actuellement un chèque de 10 millions. C'est bon. Calmez-vous, calmez-vous. Hey, tu n'es qu'aimé, hein? Hey. C'est bon, calme-toi, calme-toi. Dieu, Dieu a fait. Dieu fidèle. Dieu a fini par te bénir. Dieu fidèle. Obioso, mon ami. Dieu est tout puissant. C'est le moins que mon Dieu. Obioso. Calme-toi. Obioso. Dieu est toujours bon. Dieu merci. Il est toujours bon. Hein? Allez, calmez-vous. Dieu est toujours bon. C'est bon. Seigneur, merci. C'est bon. Sans toi, que deviendrais-je, oh, Seigneur? Merci. Hey. Merci beaucoup. Je vous en prie. Que Dieu vous bénisse. Je vous en prie, madame. Je vous en prie. Dieu m'en bénisse. Hey. C'est bon, c'est fini. C'est fini, Malaisie. Ok? Dieu va te bénir, bon, toi et ta famille. Mon Dieu va te bénir. Je t'ai dit que tu irais mieux. Hey. Okay? Je suis guéri maintenant. Je suis complètement guéri maintenant. Oh, voilà. Je peux secouer ma tête et mon cou. Je peux les secouer. Hey. Pas ta tête, hein. Hey. Dieu merci. Notre maison nous est revenue. Waouh. Peux-tu imaginer ça, hein? Hey. Hey, Seigneur, tu es merveilleux. Hey. Non. Chérie, tu peux imaginer? Laisse-moi vérifier le derrière. Prends les clés, j'arrive. Laisse-moi vérifier le derrière. Ah, quelle merveille! Tout est intact sur place. Je suis heureuse, chérie. Tout est intact. Oh, mon Dieu. Tu es une bénédiction pour moi. Vraiment? Je t'aime. Je t'aime aussi.